Salut tout le monde, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en direct du Groupama Stadium pour le match des héros. Ça fait trop plaisir, c'est juste incroyable. On est sur le bord du terrain et je suis pas avec n'importe qui puisqu'il y a Zach Nani à mes côtés. Putain, comment ça va frérot? Quel plaisir d'être là, franchement, ça fait super plaisir d'être avec vous ce soir, d'être avec toi PA. Mais regarde la cape, c'est pas un fond vert, hein. Je vous promets, c'est pas un fond vert. Genre là, y a... C'est pas un fond vert, là, il y a PA qui rentre sur le terrain les mecs. Je crois que c'est du jamais vu. Genre, ils nous ont mis à une position, on est vraiment au bord du terrain. Ça me fait trop plaisir, j'espère que ça va si jamais vous débarquez parce que on est mardi. Normalement, c'est popcorn. Ce soir, justement, pas de popcorn. Match des héros. On va vous expliquer un peu ce que c'est. Donc, la team OL de légende qui va affronter la team UNICEF. Le but, bien évidemment, c'est de pouvoir récolter des fonds voilà, pour les enfants victimes de la guerre en Ukraine. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a proposé de participer dans la team OL des légendes. Je me suis dit, bon, c'est vrai que j'ai quand même un certain niveau au foot. C'est vrai que... Ah, monsieur! J'ai cassé quelques reins avec mon pied gauche. Voilà, il y a eu du petit dribble et tout, mais je mérite quand même pas le statut d'OL de légende. Et puisque c'est les 20 ans du titre en plus. Ouais. Donc il y a vraiment... On va revenir sur les joueurs. Mais ici, nous, on est en train de vivre vraiment un rêve de gosse. C'est pour ça que je suis un peu excité, je suis trop content. Et du coup, je me suis dit, ok, pour mettre notre pierre à l'édifice aussi... C'est un rêve de gosse qu'on vit, mais il faut aussi justement qu'on aide puisqu'on est là pour l'UNICEF. Et donc du coup, pour l'instant, on va pas rentrer sur le terrain, on reste à côté, on va commenter. Et si jamais la barre de donation que vous voyez en bas atteint 25 000 euros de donation pour l'UNICEF, là, on va rentrer. Donc je compte sur vous, je sais que vous êtes très chaud et je vois déjà des premiers dons avec un anonyme là qui a mis 50 euros, 69 euros de la part de Migu Derp. Je compte sur vous les amis pour être bouillant. Et vous voyez là, juste à côté, ça c'est le vestiaire de la team UNICEF. Nous, on était dans le vestiaire de la team OL. Exactement. Dis-nous un peu, Zach, parce que c'est Sony, putain. Mec, on se retrouve à côté de Sony. On se change, je me suis retrouvé en calbar à côté de Michael Essien, gros. Non, mais c'est ouf. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, gros? C'est légendaire. On a pu avoir tous les vêtements, tout ça, faire l'échauffement. C'était une expérience de fou. Tu vois, on a pu voir le réveil un petit peu avec les kinés et tout. C'est grave stylé, gros. On voit Tony Parker, etc. Alors, la composition, elle sert juste à titre indicatif. Hein. C'est qu'ils ont partagé sur l'équipe et tout. On va pas commencer. C'est aussi les 20 ans donc, du premier sacre de l'Olympique lyonnais. Donc, justement, ils vont aussi être un peu entre eux. Et je vois les dons de Maxime, Nico qui commencent à arriver. Il y a du 10 euros, il y a des petits dons aussi de 1 euro, n'hésitez pas, hein, tous les dons vont être importants. Là, ça va être ambiance The Event, les amis. J'ai vraiment envie qu'on puisse voilà, montrer aussi qui on est. Beaucoup de joueurs, beaucoup de gens ne connaissent pas spécialement Twitch ni rien. Ils se sont dit, ok, qu'est-ce qu'il fait? Tout le monde a trouvé ça cool. On compte sur vous pour montrer quel type de communauté on est et justement qu'on est capable de donner de nous et de notre personne. Et là, je vois que ça commence à bombarder avec du Augustin, 20 euros pour Totax. La barre de dons qui va s'actualiser. Je suis vraiment trop heureux et vraiment, hein, j'espère qu'on va faire les 20 000 euros parce que... Ça serait con quand même. T'as envie de rentrer quand même. À vous, t'as envie de rentrer. On s'est échauffé et tout. C'est pour ça qu'il est en train de vous chauffer, etc. Il est en train de vous dire envoyez. Alors en plus, je crois que les dons pour une partie, enfin, les dons sont en partie défiscalisés. C'est ouais, ça. C'est 66% justement défiscalisé sur l'impôt, quoi. Donc c'est-à-dire que si tu donnes genre 5 euros. Ça te coûte, je crois, vraiment que 1,30€. Ouais, tu donnes 100 euros, ça va t'en coûter une trentaine en déduisant une partie sur les impôts, donc ça vous permet, enfin, petit crédit pour pouvoir le faire. Et là, regardez-moi ce stade, habituellement, là au-dessus, c'est le parkage visiteur, c'est là où il y a les supporters adverses qui arrivent. T'as le virage sud, juste là, le virage nord là-bas. Et en plus, sur ces 20 ans, il y a une petite anecdote, parce que c'est la spéciale, l'OL veut gagner la première Coupe de la Ligue, enfin, une Coupe de la Ligue la saison d'avant, et c'est ce qui a lancé derrière les 7 titres. Et en fait, ce titre d'il y a 20 ans, il a une spécificité, au-delà d'être le premier titre, c'est qu'il a été gagné à la dernière journée, ouais, devant Lens. Incroyable. À Gerland. La folie, le dernier match, je te coupe juste vite fait, ouais, parce que je vois Siro, on est là pour l'UNICEF, c'est 200 balles, mon cher Siro, merci beaucoup pour les 200 euros. Félicitations, je vois Bozo avec du 42, 20 euros pour Stéphane, Vincent, c'est juste sous le stream, un anonyme avec 50 euros, 20 euros de la part de Berwan. Je vois que vous commencez à être aussi bien chaud de votre côté. On va rentrer avant le début du match à ce rythme. On s'est arrangé, etc. Parce qu'en fait, il a fallu prouver. Je sais pas à quel point, j'imagine. Alors, il y a de tout. Il va y avoir des fans de l'OL dans le chat. Il va y aussi avoir des fans de foot. Des gens qui sont pas du tout spécialement intéressés par le foot. Mais on va avoir donc les images vraiment bien produites et tout en plus. Donc, on va assister à un beau match de foot. Est-ce qu'on se fait un peu une passe? Alors, OL de légende, ah, let's go. On vous fait les plus grands. Grégory Coupet qui malheureusement n'a pas pu venir. On a Edmilson qui a été champion du monde en 2002. Voilà, aucun dernier CDM du Brésil, c'est 2002. Exactement, ça va ou quoi? Ouais, je suis commentateur foot. Moi. 100 euros de la part de Milouf, merci beaucoup. Chris, bien évidemment, le gendarme, Mika Essien. Ouais. Mika... Ça, franchement, Michael Essien, mec, c'est vraiment exceptionnel parce que ça rappelle le milieu de terrain de l'époque où l'Olympique lyonnais mettait des 3-0 au Real Madrid. Donc, incroyable. Alors, Kim Kallström, la folie, Sonny Anderson, Tony Parker aussi qui est là, Florent Malouda, Sidney Govou, Joe Wilfried Tsonga, Michel Bastos qui n'est pas là finalement, il y en a quelques-uns qui n'ont pas pu venir. Thiago aussi.
Thiago, quand même incroyable. Théo me dit aussi, hein, parce qu'il est en régie juste à côté, il y a eu Saken Manchefaker, 100 euros, ça va partir en Corée pour Kamel, j'ai cru comprendre ça. 50 euros de la part d'un anonyme. On est déjà à 1700 euros, hein. Ça va très très vite, et honnêtement, vous nous faites plaisir. Ça c'est à peu près, bon, Rémi Vercoute, Camilla Billy, bah, toi bien sûr, Claudio Cassapa. Est-ce que tu présentes un peu la team UNICEF peut-être? Bien entendu. Alors la team UNICEF, il y a de tout et de rien. Au niveau du coach, je crois que c'est Arsène Wenger, Jens Lehmann, Bakary Sagna, les amis, Mehdi Benatia, je l'ai vu, ça m'a fait très plaisir. Alors ensuite, il y a Samir Nasri, voilà, toujours la patte, Michou et Inox. Michou et Inox, monsieur. Michou et Inox. Ah, on les fera pas, je pense qu'on fera passer aussi. On entend aussi. Attends, on n'est pas avec l'équipe là. Non, mec. Mais après, on a des travaux, c'est pas grave. Allez, on sera en deuxième mi-temps. On n'est pas avec l'équipe, on est là pour l'UNICEF. Il y a du 50 balles là qui pleut de toutes parts. On peut pas tous vous citer, hein. Vous apparaissez justement dans un petit coin. Merci en tout cas. Et c'est... Non, mais c'est vrai qu'attends, je te laisse continuer. Pardon, ouais, je suis trop excité, moi. Il y a Christian Carambeu, il y a Paul Mirabel, il y a Nuno Gomez, Gaël Clichy et bien d'autres. Et franchement, vraiment, c'est drôle, ils ont réussi à monter une team All-Star où en face, il y a quand même des anciens pros, des mecs qui tâtent, tu vois, et ça fait plaisir. Il y a du niveau, hein. Moi, honnêtement, j'ai vu un peu la compo de base. Il y avait Bakary Sagna, Benatia, Van Buyten. Ouais. Moi, j'espère juste pouvoir rentrer au moment où il y a Paul Mirabel en face. Je vais pas mytho. Toi, tu veux rentrer quand ce sera Michou, toi. Inox, je lui ai dit que j'allais lui mettre un petit pont. En fait, l'idée, c'est de mettre un... Je vais essayer de mettre un coup de physique à Cyril Gane. Je pense, sur un petit coup de vitesse, si j'arrive à mettre l'épaule au bon timing et que je... Frère. Transfère la puissance. Je pense que ça aurait été moins difficile de passer 2 semaines supplémentaires sur ton glacier sans tente. Ouais, je vous raconterai tout ça, parce que c'est vrai qu'on s'est pas revu quelques séquelles. Un nez qui a pris un peu. Merci Roman pour les 50 euros une fois de plus. On n'est pas tout seul, on a aussi Kanto. Kanto qui va être un peu notre Paganelli, qui va venir faire des interviews quand on sera sur le terrain et viendra commenter. Et je crois que pendant ce temps, on revoit les buts aussi. Et avec, regardez un peu là, ça c'est incroyable. Sidney Govou, Mika Essien qui a la balle. Bah oui, Mika Essien, Sonia Bonpastor. Ça fait vraiment super kiffer. Il y a vraiment en plus une ambiance super familiale, tu vois. Tu sens, c'est des gens qui ont joué ensemble il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, ils se connaissent, c'est un peu, tu vois, une famille et tout. Et donc du coup, il y a très bonne ambiance, ils parlent entre eux. Même Sonny Anderson, il time les bananes. Non mais il faut comprendre, il y a encore eu un don de 100 euros, je crois, que j'ai vu passer. Désolé, vous allez vite, hein. Merci. Ah, enfin, super vite, mec. Merci à tous et toutes. Le compteur, il est même pas update. Le compteur, il va s'actualiser de temps en temps, parce que là, il y a encore un 50 euros, graines de moutarde, il y a du 25, il y a du 20. Et on a eu la chance quand même dans le vestiaire de faire un petit jeu de ballon avec Sonny Anderson. Moi, je voulais tester un peu la balle, tu vois, pour savoir un peu. Il m'a donné la balle, j'ai commencé à faire des jongles, et il m'a dit... Pourquoi tu la lèves? Moi, je voulais un peu l'impressionner, lui montrer que bah voilà, je suis capable de peut-être toucher le ballon. Il m'a dit, pourquoi tu la lèves? Pourquoi tu veux prouver? Joue au sol. J'ai fait, ok, pardon patron, je joue au sol. Il n'y a pas de souci. Excusez-moi. Franchement, est-ce que tu peux avoir... Alors, certes, c'est un petit peu difficile de le voir comme ça et tout, mais même si on fait partie de la Team OL Légende, tu t'attends à quoi comme match? Vu que c'est un petit peu caritatif, ouvert, genre plein de buts, Team OL qui gagne, peut-être Team UNICEF la surprise, t'as quoi comme feeling? Bah en fait, Team UNICEF, comme on disait, t'as des joueurs, tu vois, genre qui... bah t'as du Julie, t'as Shane Garnier en technique un peu, Bakary Sagna qui jouait il y a pas si longtemps, Benatia il était titu il y a 2 ans, non, il a quitté quand la Juve, je sais pas, mais il y a 4 ans il était encore à la Juve. Ouais, voilà, après il est passé au Qatar et tout. Il a fait un petit parcours après, mais quand même quoi, c'est quand même des joueurs qui étaient là il y a vraiment pas si longtemps du tout. Donc je suis curieux, je sais juste que en tout cas les joueurs de Lyon ils veulent gagner. Boussif aussi qui est un snapchatter, honnêtement, le Lyonnais. Il est avec le FC pied carré tout le temps. Technique, il va faire mal. En plus, tu vois, il voulait faire sa vidéo quand j'étais au cage en train de m'échauffer. Le centre, il a été renvoyé 10 fois pour qu'il me mette le but. Hein. Quand vous verrez sa vidéo, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui ai fait le centre. Frère, il m'a demandé de lui faire le centre. Il m'a demandé de faire le centre et j'ai pas réussi 2 fois de suite. Et genre, il s'est juste retourné et il est parti. Tu sais, il y a même plus d'échange. Genre, je me mets là dans le coin, je fais un centre loupé, je m'excuse. Un deuxième juste à ras de terre. Il s'est retourné, il l'a envoyé de l'autre côté. J'étais en mode, ok, bon... Bon bah on continue. Désolé, j'avais pas le backstory. Non mais y a pas... Je commence à raconter, t'as mis en blanc. Oh là, j'ai dit quelque chose qui m'allait pas. Zoui, merci pour les 100 balles là qui viennent de tomber. Merci beaucoup les amis. La cagnotte, on a déjà dépassé les 3000 euros. Donc merci énormément, on continue comme ça. N'hésitez pas, les petits dons aussi, c'est juste sous le stream la cagnotte. Tout va pour l'UNICEF, les enfants victimes de la guerre justement en Ukraine. C'était important aussi voilà, de pouvoir encore une fois de notre côté profiter de cette grande fête et aussi essayer de vous impliquer pour y apporter. Les Michou et tout, je pense qu'ils passeront un moment. Hein. C'est possible qu'on aille chercher. On aille chercher un peu les joueurs au fur et à mesure qu'on les ramène aussi ici et voilà tout simplement quoi, ça fait plaisir ça. Oh, Eric Desflandes, dernière fois que je l'ai vu c'était dans les Héros du Gazon. Mec, c'est génial, c'est absolument génial. Ouais. Et ils nous ont mis plein de petites images et tout comme ça, la prod elle est miel là, ça fait plaisir. Ouais. Paul Mirabel,
Paul Mirabel, il est déjà en PLS. Non, mais Paul, Paul, je sais pas. J'ai mangé en face de lui là ce midi. Très drôle, mais niveau foot, je suis curieux. Il me disait qu'il jouait un peu quand même. Hein. Tu penses qu'il tâte un peu? Mais c'est horrible, mais. Ne pas se fier aux apparences. Tu vois là, je vois qui? Je vois Chris. C'est qui? C'est Kallström de dos. Je vois Malouda. Eric Carrière juste derrière. Il y a Fianso. Il y a. Ah mais je croyais qu'Eric Carrière était blessé. Mika Essien. Bon Pastor. Ah ouais, non mais. Et c'est qui Ricardo Carvalho. Oh mais il y a Carvalho. Bah oui, attends, Ricardo Carvalho, monsieur. Mais c'est n'importe quoi. Je sais pas à quel point on va laisser l'entrée qui a l'air d'être quand même assez, assez épique aussi pour vous faire profiter un peu de cette soirée qui est exceptionnelle. Mais au moment de l'entrée, je pense qu'on vous laissera quoi. Oh non. Ah c'est Camille Abili, pardon. Je m'en suis trompé. Abili, c'est vous passer. Ah ouais, je me suis trompé et j'ai fait des petites peu, mais c'est trop cool. Oh là là, l'entrée. Ils mettent quand même le petit team habituel, etc. Même regarde dans les, il y a les supporters et tout. Ils ont mis des bâches. Il y a du monde. Hein. Bah oui, monsieur. Normalement, il y a entre 20 et 25 000 personnes qui sont attendues ce soir, donc ça fait bien plaisir pour ça. Oh. C'est beau. Écoutez le peuple lyonnais. Putain mec, on est au bord du terrain. Allez, monsieur. Moi je sais le pas chanter. Ça fait plaisir. Son gars, bien sûr. Je sais pas à quel point vous entendez aussi. Je sais pas à quel point vous entendez Jens Lehmann normalement. Thiago. Mais Jens Lehmann, c'est un partie de l'Arsenal. Pareil, ils n'entendent pas trop dans le stade. Mais c'est pour ça, on se règle aussi. On est vraiment au bord du terrain, donc c'est pour savoir. En ça, général, pour vous dire, en fait, en avant-match, il y a toujours un petit chant, un petit team. Et là, ils sont en train de le passer, de le chanter. Ils baissent un petit peu les lumières et tout. C'est aussi les émotions de le vivre d'ici, vous voyez. Peu fou. Les joueurs vont rentrer après. En plus, il y a les meilleurs moments. Bah oui, c'est ça, Lisha. Avec une petite... Putain, t'as senti un truc dans le vestiaire, toi? Mec, j'ai les frissons, là. T'as pas capté? Oh, non. Les joueurs sont prêts à rentrer. C'est trop beau de vivre ça, du... Mec, c'est ouf. Et alors, dis-toi, je m'imagine quand c'est les gros matchs. Ah ouais, c'est trop beau de vivre ça du centre du terrain. Ouais, voilà, c'est ça, surtout en bord terrain, gros. Ah ouais, non, mais c'est incroyable de vivre ça d'ici. On va un peu se répéter, hein, mais c'est tellement fou que. Ouais, il y avait. Non, pour Marcelo. Ça s'emballe, tonton Léo. Ça s'emballe, merci beaucoup. 500 euros comme ça, tonton. On rappelle, hein, bien sûr, justement, 66% d'imposition de défiscaliser, puisque c'est un don pour l'UNICEF directement. Ça ne touche rien, hein, ça va directement à l'UNICEF. On est déjà à 4000 sur 25 000. Les amis, c'est très beau. Le match va commencer d'ici quelques minutes. L'entrée des joueurs. Oh là là, Carvalho qui rentre. Je pense qu'ils vont nous appeler, on ne sera pas là. Non, je pense qu'il n'y a que les titulaires là. Après, s'ils nous appellent et qu'on n'est pas là et qu'on est au poste de commentaire. 100 euros. Ouais. Ouh, ouais, les gars. Très chelou. Oh là là. On est avec vous, hein, dans le chat aussi. Hein. Oh, Inox qui est rentré, Fianso. Ah, mais il n'y a pas le plan de. Bravo. Et ils vous mettent pas le plan de la rentrée, voilà. Autres, c'est déjà un petit peu mieux là. Et lui, c'est un sacré attaquant. Nuno Gomes, légende du Portugal. Ah, Nuno Gomes, c'était un sacré attaquant. Pourrait plus te dire où il jouait en club, mais. Il a joué à Benfica. Ok. Nuno Gomes. Et après, où est-ce qu'il a joué? Il a fait. Je crois qu'il a pas fait de grand club. Mais Benfica, c'est déjà un grand club là. Ouais. Là dans lui, surtout après à l'époque sur PES, il envoyait. Franchement, ouais, c'est ouf. Hein. Sur PES, il a passé tout. Mais PES. Vendetta, pareil. Hein, c'était t'inquiète, dans le chat, ils vont nous dire. Fiorentina. Ok, c'est aussi des bons clubs. Ça fait plaisir. 100 balles de J-Lo. Je voyais des gens qui disaient que le stade n'était pas très rempli face à nous. Là, la tribune est quasiment remplie. Hein. Bien sûr. Et c'est juste que c'est un stade, c'est quoi, 60 000 personnes? 58 000, ouais. Donc forcément. Franchement, il y a déjà pas mal de monde, hein, pour un petit, pour un événement comme ça caritatif en milieu de semaine à 20h30 et tout, ça fait plaisir. Ouais. Très très cool. Non, mais attends, parce que moi j'ai juste peur de tomber. Genre c'est Anne Garnier face à toi. Non mais tu sais, genre il était dribble, était genre. Tu sais que moi j'hésite encore si je devais rentrer. Ah.
Ouais, Michou. Michou a eu la plus grosse ovation. Ah, Michou, frère. Eh, les gens, Mendieta, pas Mendieta. Si, à Michou. Pas Carissania, non, mais Michou. Ça y va. Moi, tu sais que j'hésite encore entre rentrer sur le terrain ou au cage. Oh, va falloir négo. Va falloir fixer, hein. Ils ont dit qui? Alizé Lim. Oh, Paul Mirabel. Il y a une belle course, hein, il y a une belle course de Paul. Bah oui, monsieur. Paul, avec la queue de cheval, il y a moyen qu'il soit à son prime. Hein. Mec, queue de cheval, petite, comme ça, sans lunettes, sans rien. Là, là, c'est le prime. Et là, c'est l'entrée de nos joueurs. Après. Ah là, c'est la team Titu qui va rentrer. Non, mais Jens Lehmann. Jens Lehmann, ancien portier de la National Mannschaft, ancien portier d'Arsenal. Ça, c'est légende du foot, monsieur. Ah ouais, là, c'est grand. Ça, c'était aussi à l'époque d'Oliver Kahn. Hein. Donc, c'était vraiment la même la 42, Christian 42. Non, mais attendez. Oh là là. Mehdi Benatia. Il y a du lourd en face. Il y a une team. Marocain, monsieur. Il y a une vraie team. T'as la team UNICEF, la classe, c'est que je vais dire un nom que tu redoutes. Van Buyten. Van Buyten, t'as peur d'être frotté à lui? Bah non, mais attends. En termes de défense, Mendieta. Ça connaît dans le chat ou. Alors ça se passe comment? Il est passé à l'OM. Hein? Il est passé à l'OM, Van Buyten. Ouais, ouais. Hein. Il a fait quoi? Bayern Bayern, OM. Je te vois sur les quiz en ce moment là. Tu peaufines, hein. Tu peaufines, toi. Il n'y a pas beaucoup de Buyten, mais ouais. Just Riyad aussi. Ah, on a loupé Cyril, putain. Et il est titu, Cyril. Cyril, j'aimerais pas aller. Et Just Riyad, attention aussi, hein, parce qu'en vrai, il a fait beaucoup. Il continue à faire du club en foot en club. Rire. Il a un dégradé de refus technique à un niveau. Samir Nasri, Bouguerama. Ludo Djouli. Pendant ce temps, les dents continuent. Hein. Les amis, on va aller à 5000. N'hésitez pas, je vois beaucoup de gros dons, mais n'hésitez pas à faire des dons entre 1 et 5 euros aussi. Hein. La team 1 euro, on compte surtout, sur vous. Attends, le match n'a même pas commencé, on est déjà à 1 cinquième. On est déjà c'est déjà très bien, c'est déjà très très bien. Merci énormément. Go la team 1 euro là. Si chacun met 1 euro, vous êtes quasiment 50 000. Merci beaucoup. Kim Kastro. Le pied gauche. Il a mis des grosses frappes à l'entraînement. Moi, j'ai donné le ballon et je lui ai dit, vas-y, frappe de toutes tes forces. Et il l'a fait, putain. Ouais, c'est notre équipe les gars, c'est notre équipe. On joue dans cette équipe. Et là du coup vu que c'est des joueurs de l'OL, ça risque d'être autre chose en termes d'applaudissements là. Oh, Mika Essien. Légende du foot. Let's go. Oh là là. Il se fait plaisir hein, sur l'entrée. Hein. Ça se régale. Ça a aligné l'équipe. Hein. Lucien Malouda, les deux qui ont fait OL Chelsea. Je croyais qu'il était blessé, Eric. Je dis ça comme si je tapais un foot tous les dimanches avec. Avec regard. Eh. Ils ont mis le petit plan, mais il y a une banderole. Il y a une banderole. OL 2002, une équipe qui nous fait toujours rêver. C'est beau. La légende. Christophe Delmotte. Putain, il est entraîneur à Valenciennes maintenant, je voyais. Ah ouais, ouais. J'ai vu ça. Eric de Flandre. Parker. Les 5000 balles qui vont être passées pour faire. Les 5000 balles. Les 5000 qui arrivent, merci beaucoup. Tony Parker. Bientôt président. Soon to be president. Ah, y a Bergoglio. 200 balles de Jeff. Merci beaucoup, Jeff. Merci.
Thierry Alcyone, coach de Tsonga, je crois. Comment il était content. Oh là là, cette équipe là. Le premier titre de champion de France avec Jacques Santini. Oh le Jaco, oh le Jaco, le bon Jaco Santini, mon gars. Merde, je connais que les mecs d'internet. Bah, c'est les gars un peu à l'ancienne hein, de Lyon. Ah, on a déjà dit. Oh là là, merci. Hein. Merci pour les dons qui continuent. Ah, il y a du vert. Ah oui, Sonny Anderson, parce que t'as Chris Essien, Kallström sur le banc. Ça, c'était les remplaçants. Ouais. Ah ouais. Et là, regarde, c'est affiché. Rémi. Avec une blessure de Zach. Qui apporte le Vercoute à Titus. Eh, Chadley, ça date. Hein. Ceux qui ont la ref. Eh, Patrick Müller, c'est ça. Patoche Müller. Oh, ouais, c'est trop beau. Double 50 euros, Thomas. Il en a mis deux, juste Benjamin 50 aussi. Merci, hein, les dons, on continue. 5500, c'est beau. Qui est au départ du but de Sonny Anderson en 2003. Ça a bien dit. Regardez Milson, comment il est gentil. Qui va jouer, alors j'ai vu, genre milieu droit, un truc comme ça. Ah ouais. Ah mais Pierre Lec. Moi, j'ai m'a toujours fasciné avec Pierre Lec, c'est la... C'est vraiment là. Bien droite. La peu coup de Pierre Lec, ça tue... Oh, Philippe Diolo. On vous parle de nom, ici. Oh là là. Oh, Filou. Ouais, la JOCR aussi, il est passé là-bas. Et oui, Sydney. La 3 Sydney. Et qui est Whisky Coca. Quel plaisir. Il m'a mis des frappes. Il m'a mis des frappes, là, à l'échauffement. Il m'a démoli. Ah ouais, non. Ah oui, monsieur. Il rigole. Ah, voilà, regardez, ouais, 2002, une équipe qui nous fait toujours rêver. La légende, les amis. Ça s'est rempli, monsieur. Vous nous dites pour le son, on est au milieu du stade, donc doit y avoir un peu d'écho, doit y avoir un peu tout ça. Ça va s'améliorer, il y a le speaker aussi. Mais on essaye de faire au mieux, en tout cas. C'est incroyable de pouvoir être là. Oh là là. Eh, mangez-les, hein, mangez-les. J'aimerais bien rentrer sans stress, en mode il y a déjà 4-0. T'as vu pour Marc Vivien Fauré, ils ont mis aussi le maillot dans le vestiaire. Qui malheureusement en 2003, je crois, s'était écroulé. Ouais, il me semble que c'était en 2003. Ou 2001, dans ces eaux-là en tout cas. Ouais, je crois que c'était un match du Cameroun où je... Ah, c'est ça. Peut-être même Cameroun pendant la Coupe des Confédérations, et auquel cas, ce serait peut-être 2001 ou 3, ouais, mais c'est un des deux, c'est sûr. Mais en tout cas, ils l'ont pas oublié. 2001, ouais, ça dit dans le chat. 2001. Et malheureusement, qui a. Non, 2003, bon. Ouais, 2001-2003, mais qui a eu un arrêt cardiaque au milieu du match. C'était à Gerland à l'époque et ça a traumatisé beaucoup de monde. Donc, bel hommage 20 ans plus tard quand tu veux faire le premier titre de faire également ça. Clairement. Marc Vivien, à jamais. Gabro, 100 euros, merci beaucoup. On voit la composition avec Vercoutre dans les cages. Sur la défense centrale, ça va être Claudio Cassapa, Patrick Müller pour tenir. Jérémy Bréchet à droite, j'ai pas bien vu. Alors, ça va être Chanley, non? Il y avait Edmilson au milieu. Ouais. Il y avait Chanley, oui, en arrière droit. Ça va être quoi? Philippe Violo devant la défense, Edmilson. On va s'en parler après. En face, c'est Gann, Benatia, Van Buyten dans une défense à 3. Laure Boulot en latéral gauche, Carambeu en latéral droit. Jess Riad en 8 avec Mendieta. En 10, Nasri pour orienter les ballons sur les attaquants. Bouguerraba ainsi que Ludovic Giuli. Ils ont envoyé une défense à 3, Benatia, Van Buyten, Cyril Gann. Ah non, mais
Va falloir se battre hein, pour passer. Hein. Honnêtement, j'avoue que ça va être physique. Hein. On a les 6000 euros. Ils sont là, les 6000. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai que la défense, mec, il faut. Faut jouer à l'épaule, mon pote. Mec, tu peux pas en fait. Penalty avant le main time, t'es déjà pas bien. Loqué par Cyril Gall derrière. Y a aucune chance. Putain, on est pas sur la photo par contre. On n'aura pas. Mais on aura le replay de ton but. Ah ouais. C'est déjà. Je fais quoi comme célébration? Merci Nico pour les 100 euros, merci beaucoup Pochi aussi pour les 50. En fait t'as deux choix, soit tu fais une célébration un petit peu flow, tu vois. Genre... En vrai j'avais une idée de célébration mais après bon faut aller marquer déjà. Franchement si tu veux faire une célébration fais petit... genre un petit CR7, tu peux faire un SU, tu peux faire après une idée, un truc. Ou alors tu fais une célébration de Tolar, genre Busquets ou Alba. Non mais j'ai une idée mais... Busquets t'as pas vu sa célébration? Il a fait quoi? Genre ça se voit qu'il a pas l'habitude de marquer, tu sais les grosses caméras HD ouais. De la Liga. C'est venu sur lui il a fait... Grosse célébration de reprise de justice, ça m'avait fait bien rigoler. Ah, il y avait le pistolero à faire avec Sony, ouais. Mais franchement, moi, je souhaite que tu mettes ce but. Non, je te le souhaite, ce serait trop les émotions. Attends, Sony, tout à l'heure, il m'a dit, il va me faire jouer défenseur. Je vais toucher 5 fois la balle, donc 4 passes entrées. Non, parce que c'est vrai que, vous avez compris, il y a énormément de joueurs. Donc le but, c'est qu'on puisse rentrer. Si jamais on arrive à 25 000, quoi qu'il arrive, ça m'étonnerait qu'on joue une mi-temps. Hein. Ça va être du temps de jeu par-ci, par-là. Lenek, merci pour les 50 euros. Et tu peux boxer là. On veut une roulette, PA. Ils vont te faire jouer libéro. Tu fais un PA avec les doigts. Oh, l'enfer, le truc. Allez, arrêtez les idées de merde, là, s'il vous plaît, les gars. C'est un petit calme, tu vois. Non, en vrai, j'ai une idée, mais c'est un banger. Si jamais je marque. Je te souhaite de marquer. J'ai une idée, honnêtement, je pense que le stade se lève. Je te souhaite de marquer, monsieur. Là, c'est le T-Rex. Non, mais le T-Rex, vous allez le voir d'entrée de jeu. Tu sais, je cours comme ça, moi. Mais bon. Non, en vrai, là, sur l'échauffement, j'ai un peu voulu tester des passes longues et tout. À un moment, c'était parti en interview. Et genre, il y a Thiago. Ouais. Il m'a fait, oh, t'es tout seul? Et du coup, il m'a fait la passe et tout. J'étais en mode, mais putain, mais j'ai. Merci pour cette vie, merci beaucoup. Et t'as tenu la technique, tu lui as envoyé bien les passes et tout. Ouais, bien. À un moment, j'ai fait un contrôle, j'étais fier de loin. J'étais en mode, vas-y, c'est pour moi. Tu vois, c'était bien, quoi. C'était. À un moment, tu m'as envoyé un ballon bien chaud, bien fuse. J'ai envoyé, guette le poussé de balle, là, comme le snap. Ah, j'ai fait un contrôle, le ballon il partit à 4 mètres. Ah ouais, putain, mais c'est plus facile sur Twitter quand même. Ah ouais, non, vraiment, ça arrive, parfois c'est chaud. Mais toi, tu veux jouer sur le terrain? J'ai envie de me chauffer. Parce qu'en vrai, aller au gardien, moi j'ai aucun problème. Mais il faut sortir Rémi, quoi. Sur le terrain, ouais, voilà, et en plus, il faut sortir Rémi, tu vois. Genre, tu sais, moi j'aurais du mal. Genre, tu sais, c'est quoi ma peur? Genre, il y a 1-1, je rentre, je sors, il y a 4-1. Ouais. Je pense qu'ils vont pas rigoler si on fait trop de la merde. Ouais, moi je veux mettre une frappe, mais. Alors tu vois, si tu rentres sur le terrain, t'as pas fait le retour défensif, c'est pas grave, ils t'en veulent pas, tu vois. Mais à l'inèche. Mais il faut que j'envoie une frappe. C'est mon but. Rentrer sur le terrain et mettre une mine. Je peux pas la. Je pense que Sidney, il peut vite mal te regarder, je pense. Ouf. C'est des compétiteurs, frère. Les mecs sont là pour vous. Évidemment, les mecs se connaissent entre eux, ils nous connaissent pas. C'est qui les tocards qu'on nous a mis là? Ah ouais, c'était. Il faut avoir le démon. Il fallait s'intégrer dans le vestiaire. Ça a été une expérience, c'était incroyable. Oh là là. Eh, si jamais, parce que je vois que vous êtes déjà plus de 60 000, merci beaucoup pour le soutien, parce qu'on est aussi à plus de 6 500 euros. Si jamais, donc du coup, on est là pour commenter le match des héros. Le match des héros, donc du coup, bah, qui remplit ce joli stade. Alors, faut savoir que justement, donc pour la billetterie, je crois qu'il y a un partage ouais. Avec le bruit du stade entre l'OL Fondation et l'UNICEF. Et tous les dons supplémentaires vont juste à l'UNICEF. Donc, vous donnez donc, pour l'UNICEF, pour les enfants victimes de la guerre en Ukraine. Et pendant ce temps, on va assister au coup d'envoi de ce match des héros. Et il y a aussi des sponsors etc qui ont permis justement de financer cet événement, notamment Oppo, puisque malgré tout ouvrir le stade, la sécurité, c'est quand même assez cher. Est-ce que oui, voilà, on a aussi justement le team OL des légendes UNICEF. Nous du coup à 25 000 euros on pourra rentrer sur le terrain. Mais en fait je vais commencer comme ça. Bougueraba qui a perdu le ballon avec un bon précis. Mais je pense qu'on commande dodo. Ouais, allez Chanelet avec Patrick Muller, on va avoir un bon pressing de Redouane Bougueraba, Claudio Cassapa. Ça joue sur un rythme tranquille quand même. Ouais, bah c'est le début. Ouais, Pierre qui vient se démarquer là dans le milieu, attention. Peut-être prise à 3. Pour Edmilson. Oh, Edmilson, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable là. Là, on avait presque le ballon là. Chanelet avec Sidney. Sidney Go, vous peut-être essayer de mettre un peu de rythme. Sur le côté. Sidney avec son numéro 14. Bougueraba qui essaye de mettre un peu de physique. Pour l'instant, c'est possession OL, mesdames et messieurs. Et un peu. Eh, hey, il y a des petits fumis, monsieur. Il y a de l'ambiance. Attention à Ludo Julie. Avec Redouane Bougueraba là, qui a failli se péter la cheville. Mendieta qui est démarqué au milieu. On voit qu'il veut recevoir le ballon. Regarde le milieu de terrain habituellement. Regarde, il se démarque, il demande. Mais le ballon qui tourne entre les défenseurs. Benatia. Ça demande. Hein. Sur le côté avec Karambeu. Benatia encore.
Et finalement, ah si, Cyril est monté. Ah oui, Cyril est très haut. Pour oui, regarde, même leur boulot qui est arrière gauche, qui est bien. Oh, regarde, oui, elle envoie un appel. Oh. Samir Nasri avec peut-être leur boulot là qui est sur l'autre côté. Samir avec Mendieta, on va peut-être revenir dans l'axe. Il va peut-être tirer. Cyril propose. Cyril avec le contrôle. Qui avance sur le côté avec Christian Carambeu. Attention. Le ballon qui approche. Attention là au marquage. Le centre. Oh, Claudio Cazzapa qui l'a repoussé. Leur boulot, c'est bon poteau. La frappe qui va passer à côté. Et la première frappe de ce match pour leur boulot. Devant un cop qui met un peu d'ambiance, ça fait plaisir. Petite frappe fusante. Et à la relance avec Chanley. Au cœur du jeu avec Edmilson, ça joue en une touche, c'est beau. Regardez, il n'est pas attaqué, il a du temps, il a de l'espace, il peut avancer un petit peu. Ah, ça vient quand même. 7000 euros qui sont passés, on compte sur vous hein, pour continuer les dons justement pendant tout ce temps. On va vous commenter le match, il y a 25 000, on rentre. N'hésitez pas, c'est sous le stream, hein, je vois du 20 euros, merci Denzer. 10 euros pour Roipe aussi, 50 euros pour Dogo. Regarde. Allez, avec Chanley, là, toujours qui fait l'effort. Hein. Sonny Anderson, c'est son premier ballon. Sonny qui a été capitaine et Sonny qui s'est fait un nouveau corps. Hein. Il nous le disait avec Sidney Govou peut-être, avec Chanley en profondeur. Sidney Govou. Il cherche une solution. Leur boulot qui est en train de revenir. Sidney Govou qui a essayé la transversale. Pour Just Riyad à la récupération. Oh, le joli ballon pour Ludo Djouli. Ah, le petit exter qui va bien être couvert par Claudio Cazzapa. C'est couvert. Les dons qui continuent. Tu vois, je voulais voir sur quel rythme ça allait jouer. Bon, je savais que ça allait pas être pressing tout terrain, hein, mais franchement, ça fait plaisir de voir que ils le prennent à la cool et c'est beau à voir. Il y a du temps, il y a du jeu. Attends, Milson en profondeur qui a essayé d'aller chercher Sony. Et ça va être pour Jens Lehmann. Oh, Jens Lehmann. Ouais, ça va pousser dans le stade. Et c'est incroyable. Hein. Ça, c'est quand même incroyable. J'espère que vous entendez parce qu'il y a une ambiance de folie. Ça fait trop plaisir. Samir Nasri. Bien pressé, Edmilson il a faim le demi. Attention à Mendieta, attention, il a encore des jambes avec leur boulot qui déboule côté gauche. Le petit ballon, Claudio qui l'a remet. Attention à Samir Nasri, peut-être la frappe, pas décalé sur Ludo. Ludo Djouli avec le geste. Ils ont tenté le beau jeu, c'est bien, ça fait plaisir. Pierre Lègle qui est au pressing, attention. Just Riyad qui contrôle la zone pour Benatia. Regarde leur boulot comment elle se démarque, elle colle la ligne. Vous le voyez pas, nous on est vraiment... Laure, elle mange la craie. on est au bord du terrain, vraiment juste à côté. Allez, Sonny Anderson, là le contrôle est bon. Au pressing de Mendieta, peut-être avec Sidney Govou qui est parti côté droit. Sidney, le contrôle, prise d'information, peut-être revenir sur Edmilson. Non, c'est encore Sonny. Sonny, en retrait. Attention, il faut un peu d'appel, ça manque un petit peu de présence devant. Et ça écarte, c'est bien, ça joue, ça contrôle le rythme tranquillement. C'est Bréchet là-bas, je crois. Oui, c'est Bréchet. Bréchet pour Pierre Lègle. Ligne de touche, le centre. Ouh, je crois que c'est Van Buyten. Exact. De la tête qui la dégage. Et Mehdi Benatia, phase de relance. Mendieta, ça repart. Gondwalski, 50 euros, merci beaucoup. Je vois du 20 euros. 20 euros qui pleut là dans tous les sens. Du 10 euros aussi, on continue. On est quasiment des 7500. On va chercher les 8000 là. On va y aller. Van Buyten. Avec Mehdi Benatia, c'est bien. Regardez Samir Nasri qui se propose, mais ça avance, ça veut gagner un petit peu du terrain, ça fait remonter tout le bloc. Cyril Gane qui veut toucher du ballon, il veut tâter. Cyril, il m'a dit, j'ai trop envie de jouer. Ah, tu m'étonnes. Cyril, je lui ai envoyé un message hier, maman, il m'a dit, mais j'ai trop envie de jouer au foot. Et regardez enfin, sur le côté. Bouguerraba, là, on va chercher la transversale pour lui. Et c'est bien intercepté par Chanley, ça va peut-être pouvoir relancer avec Edmilson. Cyril Gane qui ne joue pas de son physique. Et en retrait pour Patrick Muller. Franchement, je m'attendais que Gane joue peut-être un petit peu physique. Bah, il va, à des moments, mec, on va voler. Hein. Et ça écarte avec Pierre Lègle encore. Pierre Lègle lui aussi qui écarte, qui colle cette ligne. Qui écarte Sonny, au maximum Sonny, le décroche bloc. Sonny, mais quel travail de ce numéro 9. C'est magnifique ça. Chanley, le ballon qui lui arrive. Il manque un petit peu de solution. Ah, au milieu de terrain, l'expérience de Piolo. Oh là là, Pilou. Pilou qui a perdu le contrôle, ça arrive à on n'est pas là pour se moquer parce qu'on va avoir la même. Bien sûr, mais c'est rigolo, c'est pas méchant. Ah non, mais je sais bien sûr, ce n'est jamais 50 méchant. Euros aussi de la part d'un anonyme. Oh, Buyten qui sauve ce ballon. Et Sidney et Sonny devant ça rôde. Hein. Ça rôde et ça décroche beaucoup. Hein. Quentin, merci aussi pour les 50 euros. Un petit F5 si jamais il y a des soucis. Hein. On est dessus quoi qu'il arrive. Samir Nasri, regarde l'appel pour Mendieta. Attention, Mendieta qui va vite toucher ce ballon. Oui, Rémi. 100 euros de la part de Tivers. Merci énormément, Tivers. Il y a des petites prédictions avec des buts. Let's go, ça régale. Vous pouvez perdre vos points de chaîne ou en gagner. Philippe Violo, cette fois. Le ballon est perdu, ça repart. Evan Buyten, il est bien encore hein, physiquement et toi. Il est frais, mec. Regarde, il est là, il contrôle la zone, c'est le défenseur. Il fait un 95, lui, non ? Oui, il est immense. C'est un titan. Il est immense. C'est combien de temps le match ? Demi-temps de 45 minutes, hein, le football. Just Riyad, quand même, avec le dribble. Just Riyad, attention, le ballon en profondeur. Mendieta. Petit rebond technique, monsieur. Just Riyad, gros, il est en club, il joue tout le temps. Il est vraiment fort, Just Riyad.
Chadley. Les sticks, 50 euros. Oula, Patrick, attention. Oula, Patrick, attention. Au pressing. On a un Ludo Juli qui a affamé ici. Patrick Muller qui va se faire presser. Une solution peut-être avec Chadley. Laure Goulot qui viendra pas au pressing. Un peu de temps pour Chadley pour pouvoir remonter le terrain. Au milieu avec Edmilson, attention. Voilà, regardez, ça s'écarte. Le patron. Magnifique. On envoie sur Pierrot. Pierrot, le contrôle du gauche. Joli. Ah, Sinegobu. Sinegobu qui est dangereux. Sinegobu avec le contrôle orienté. Mais on a une belle défense de la part de Van Buyten. Aidé par Laure Goulot. Les 8000 qui sont passés avec on vient de passer les 8000, merci appels. Beaucoup pour Julie. Hors-jeu, oui. Hors-jeu, hors-jeu. Et la Bible peut-être. Et ça va, tranquille, il gère. Et ça s'amuse, ça s'amuse. Franchement, c'est trop bonne ambiance, ça fait trop plaisir. Oh là là. Et on va commencer de temps en temps à avoir des invités hein, qui vont passer aussi par-ci, par-là. Peut-être un Michou qui d'ici quelques minutes sera avec nous. Allez, encore Edmilson qu'on a vu très actif hein, pour l'instant. 7 minutes, hein, ça passe vite. Hein, putain. Et oui, monsieur. Edmilson qui écarte encore Pierre Laigle vraiment... qui est toujours démarqué. Pied gauche, regarde. Pied... Oh, la reprise. Pied gauche, pied droit. Oh, oui, oui, oui. Oh, une touche de balle, pardon. Ah, c'est Benatia. Là, tu vois, t'aurais eu un Cyril à ce moment sur le ballon. Ah, ça aurait été peut-être un peu dur. Christian 42 qui écarte Laure Goulot qui est constamment démarqué, qui a beaucoup d'espace. Attention, regardez devant. Il y a Samir Nasri, il y a Djoul, il y a la passe à Mendieta. Mendieta, le gelon sur le côté. Peut-être pour personne. Non, non. Eh, ça joue quand même. Hein. Non, ça envoie, ça envoie. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est que ça tranquille, tu vois, ça te tryhard pas, c'est cool. Tu dirais que t'as le niveau de qui là, toi? Moi? Ouais, mec. Ça joue bien quand même. Franchement, je suis très mauvais. Hein. Franchement, là, j'ai analysé, hein, tu me demandes, là, en 7 minutes, je suis complètement hors du temps. Sidney Govou, regardez sur le côté. Parce que Chadley, la montée peut-être. Non, c'est couvert par Laure Goulot. Oui, parce que Chadley, quand même. Il y a personne derrière, ça part. Il rentre tout seul. Soi-disant. VAR, je demande. On veut voir la VAR là. Franchement, ah, pour moi, il n'y avait pas hors-jeu, j'ai analysé le truc. Cyril Gann, il voulait tâter du ballon. Regarde, il écarte sur Christian 42. On voit du côté, ça manque un petit peu peut-être de Lyon au milieu pour l'équipe UNICEF. Ah, là où nous, on a du monde. Hein. Et quoique, en fait, il y avait une Dieta qui était démarquée. Let's go. On a Linares hein, aussi. Attention, Kassapa là, qui a été pressé. Kassapa qui avance. Attention. Cette balle, Claudio, il a pas Claudio. Claudio qui monte et qui gagne de l'espace, qui se retrouve un petit peu tout seul. Ça va venir l'aider. Encore une fois la passe. Oh, peut-être. Avec attention. Celui qui a été un peu malheureux là sur le la contre. Passe de David Linares, si je dis pas de bêtises. Oh, Redon Bougueraba qui ruine un petit peu le contre. Bon voilà, je pense que je suis à ce niveau-là à peu près. Ouais. Oui, allez, bien l'aide, lève la tête, bien l'aide, le retrait. Sonny. Non. Oh là 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 là. Arrêté par Jens Lehmann. 500 euros, Tom Steck. Tom. Je veux vivre ça, monsieur. On veut rentrer. Et je crois qu'on a Kanto. Kanto qui est avec deux joueurs. Et bonsoir, messieurs. Effectivement, je suis avec Michou et Inoxtag. Messieurs, quand vous êtes rentrés dans le stade, ouais, c'est sur la télé spéciale de PA. Et quand vous êtes rentrés, il y a eu un bordel dans le stade. C'était incroyable. C'était trop cool, ouais. C'était une dinguerie, en vrai. Expérience de fou malade. Eh hey Michou, pareil, hein, toi, quand t'es rentré sur le stade, c'était une dinguerie. Hein. Mais c'est un truc de malade. Je pensais pas qu'il allait y avoir autant de gens. C'est dingue, c'est un match caritatif, mais bon, après, il y a du beau monde, les gens sont venus voir du spectacle. C'est quoi ton objectif aujourd'hui? Honnêtement, si j'arrive à mettre un but, c'est incroyable. Mais déjà, là, je réalise un rêve d'être ici, donc c'est déjà tout gagné. Dis-moi que t'as préparé une célébration. J'avoue, j'ai pas de célébration, ça va être un pro. Un pro? C'est les meilleurs, ça, en général. Voilà, déjà, si je mets un but, on verra après pour la célébration. On a vu, tu taquines hein, au foot un peu. Vite fait, je joue, mais t'as vu, j'ai pas envie de dire que je suis bon, quoi. Ça te fait pas peur de jouer contre des mecs qui ont été champions de France, etc. Ça fait pas peur, ça fait trop plaisir. C'est incroyable, c'est une chance. Bah écoute, merci Michou, merci d'avoir été là. Messieurs, je vous donne la parole, c'est à vous, vous êtes avec Inox en bonne compagnie. Oh merci, Inox, ça va pas mon rêve. Les cracks, ça va ou quoi? Bien sûr, mon frère. Tranquille. Oh là là. Mais toi t'es comment? Frérot, là on en passe à la télé, frérot. Je vais dire à maman, on passe à la télé. Ah là, mais attends, mais... Ah frérot, je suis trop content. En vrai, j'ai pas joué au foot, j'ai fait que du hockey sur gazon. Non, mais, ouais, mais ça va bien se passer. Toi Inox, je te sens pas au foot. Je suis pas foufou au foot. Tu sais que Père, il a un objectif, il veut te le mettre ce petit point. Je prie pour ça. Il n'y a pas de petit pot. Là, il y a un vrai niveau. Attention aussi, hein, parce que on voit le match. Pour l'instant, c'est chaud. Michou, t'en penses quoi du niveau là, par rapport à ce que t'as vu depuis le début de la début hey, c'est incroyable, mais en vrai, je pensais pas que ça allait jouer aussi bien. Oui. Moi, dans ma tête, ça allait être plus en mode plus chill que ça. Random, ouais. Éclaté. Ouais, moi aussi, ça me surprend un peu. Ça
va être chaud. Ça tryhard, hein. Ils jouent fort, eux. Hein. Je te coupe deux secondes. Il y a eu 100 euros de la part de Louis MPG, 50 euros Bélin. Merci beaucoup. Merci, les gars, on est à plus de 9000 déjà, plus de 9000. Nous, on a besoin de 25 000 pour rentrer sur le terrain. Allez là, faites pas les rats, faites pas les rats. On voulait apporter un peu à l'UNICEF. De toute façon, repassez si vous voulez, les frérots. De toute façon, on est là. Vous savez quand vous rentrez ou pas, vous? 22e. Ouais. Ah oui, c'est bien. C'est bientôt là, je crois. Dans 10 minutes. Ah, c'est dans 10 minutes. Et tu rentres avec nous ou pas? Non, bah nous, on les a pas encore. Donc. Ça va, vous êtes échauffés un peu. Les gars, on perd les dons. Je veux jouer contre Domingo. Envoyez les dons, monsieur. Let's go, let's go. On aura l'occasion. Vas-y, mec. Gros, on dirait comme dans les vrais matchs de foot. Mais gros, on est comme dans un vrai match. Mais c'est incroyable. Attention! Oh là 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 là! Voilà la défense! Ouais, mais c'est ça! C'est ça, les gars! Ah, mais non! C'est nos mates, eux! Mais oui! Ah, ok, bien joué, les gars! Et on est en mode UNICEF, mais oui! Ah, oui, ouais! J'ai vu un match! J'ai pas vu les maillots! Allez, vas-y, barrez-vous, revenez! Vas-y, bisous, père! Venez après à toutes, les frères! À plus tard, les frères! Et bonne entrée! Oh là là! Et à 22e, on va les voir sur le terrain. Les supporters qui essayent d'envoyer quand même des petits chants, des virages et tout. Il y a une vraie ambiance, hein. Vraie ambiance, merci beaucoup, hein. Encore, hein, on se répète, mais les dons qui pleuvent avec la team 1 euro là. Et Mendieta qui a le ballon, regardez, petit appel de Ludo Djulic juste derrière. Samir, ça peut partir dans le dos. Oh, le petit ballon avec Ludo. Mendieta, l'appel de Djulic dans le dos. L'appel de Djulic, heureusement qu'on a un Patrick Müller ici avec le pied gauche. Patrick Müller. Et qu'à sa passe, ça repart. La porte suisse. Qui vient de rentrer. Robert Gougnou. Oui. Sydney qui va envoyer pour Sonny. Côté droit, Sonny Anderson. Face à Mappelten. Attention. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Allez, bouffe-le. Bouffe-le, Sonny. Le capitaine, Sonny. Et il n'ira pas en dribble, il va la passer. On revient. Oh, ça écarte. Pour Pierre Lègle, encore une fois. Attention, le centre peut-être à venir. Il y a du monde dans la surface. Oh, Pierre Lègle qui débarque sur Cyril Gann. Heureusement, c'était bien couvert par Benatia. Et Cyril qui a eu un petit peu de mal à suivre, la relance, encore une fois ratée, l'équipe OL Légende qui presse là, ils sont haut. Eh les amis, je vois dans le chat, hein, je vois un petit raid 1 euro à 21h là, dans 5 minutes, préparez tous sous le stream. Let's go. Justement, bouton donation, préparez-vous 1 euro là, je veux voir une grosse armée là dans 5 minutes à 21h. Un mur. Je veux qu'on éclate les 10 000 euros les amis, je compte sur vous, c'est sous le stream. Un mur, monsieur. On est là pour récolter des sous pour l'UNICEF et un nouveau changement. Paul Mirabel et Miss France, je crois. Oh, Cyril Gann qui sort. C'est vrai qu'on a été déçus. Hein. Deux ballons et demi touchés, bof. Hein. On lui dit de venir. Oh, il va venir. Faut qu'il vienne, Cyril. Faut que Cyril y vienne. Ah, ça va être chaud. Si, on va les dire. Tu veux que j'aille le voir? Je dis ouais, vas-y. Zach, il va aller le chercher. Merci, Face, pour les 50 euros. Du respect dans le chat, hein. On compte sur vous, les amis. Jess Riad qui sort pour Paul Mirabel. Et Jess Riad aussi, il a montré de belles choses. Hein. J'espère que vous vous éclatez, hein, la MIF, en tout cas. Ça fait plaisir de pouvoir voir un tel match, etc. On a récupéré les droits de diffusion. Ça, c'est les petits supporters juste devant nous, tu vois. Ils sont là, ils sont un peu timides, c'est normal. Du respect, là, les frères. Oh, aïe. Ça va ou quoi, toi? Tu veux mettre le casque ou là? Et il sort tout juste, il a donné, Cyril. L'autre côté, voilà, comme ça. Et en même temps, il y a un Pierre Lègle là, t'as failli te faire déborder, hein, Cyril. J'ai failli faire, mais j'étais présent. Toujours. C'est passé entre les jambes. Comment? Ah, je suis en petite fatigue, hein. Ouh là là. Ça joue, hein. Tu m'as dit que t'avais eu la crève, c'est ça? En fait, j'ai une intoxication alimentaire. Ouais. J'ai zéro jus, j'ai pas mangé pour pas me sentir mal. Et là, je suis fatigué, je suis mort. Eh, ça joue dans ton équipe, hein, on voit Julie. Ouais, ça joue. Julie, attention sur Paul Mirabel. Allez. On en parlait, Paul Mirabel. Allez, Paul. Paul Mirabel qui se remet sur le pied droit. Paul pour Mendieta. Est-ce que ça a été contré? On sait pas. Dommage, ça fait plaisir. En tout cas de te revoir là. Ouais. Toi, maintenant, Twitch, c'est ça ta maison. Plaisir. Là. On est ensemble, les gars, Twitch, la famille, le chat. C'est comment? Ils sont chauds, ils sont chauds. C'est comment? Tu vas rentrer ou pas? On est quasiment à 10 000 euros. Dans 3 minutes, ça prépare un petit raid. Honnêtement, ça sent très très bon. 25 000 euros, on rentre. C'est 25 000 euros. Et Pierre, il n'osera pas le dire, mais quand t'étais pas là, il a dit qu'il était déçu de ton entrée. Non. Théo, le mec derrière là. Le gars qui est, là-bas, il y a un mec qui s'appelle Théo. Clément, il a dit que t'étais flingué, j'ai pas capté. Il a dit pas Théo. Attends, je t'attrape. J'ai pas envie de me blesser, peut-être. Non, il y a rien, les gars, on est trop solide. Action chaude. Et tu re-rentres après ou. Ouais, tu te reposes un coup et. Ouais, j'ai plus de jus. Frère, on dirait que j'ai pas de cardio. c'est une bague. Intoxication alimentaire. Ah, laisse tomber, j'ai plus de jus depuis hier soir là. Vas-y, bah écoute, repose-toi et tu repasses. Vas-y, à toutes. Quand tu veux, n'hésite pas. Merci, Cyril. À toutes, Cyril Gann.
la légende qui nous fait le plaisir de passer. Allez, Pierre Lègle avec Jérémy Bréchel à côté gauche qui va le centre. Le centre peut-être, mais il y a des tourelles. Il y a des tourelles entre Benatia et Van Buyten. C'est très grand. Attention, ça joue peut-être à deux. Attention à la contre-attaque. Ludo Djuli. Heureusement, Emilsen qui vient faire la faute. La petite faute d'expérience. Lédica. Et Lédica qui sont passés, Lédica, les amis, 20h58 dans 2 minutes là, sous le stream. Je compte sur vous pour vraiment, vraiment ne pas arrêter. On affichera peut-être justement les différents dons. Tabassez-nous ça, les amis. Nous voulons rentrer, nous voulons aller mettre des coups d'épaule. On veut avoir l'occasion de marquer un but dans ce stade. Et ça repart, Samir Nasri face à Edmilson. Paul Mirabel qui écarte, c'est bien. Laure Boulot encore une fois qui va écarter à son tour. Paul Mirabel qui gagne de l'espace encore une fois. Samir Nasri qui se démarque. C'est beau, c'est pas mal. Ouais, Samir Nasri. Samir, le contrôle efficace, peut-être. Non, finalement, il va pas prendre cette option. Mendieta, peut-être pour écarter côté droit. Ou la frappe, elle est lourde. Des petits pétards comme ça, c'est bien pour réveiller. Mendieta, parce que Mendieta commence à quand même avoir un certain âge, entre guillemets, et ouais, il est là, hein, quand ah même. Oui, hein, monsieur, mais faut envoyer un peu de vie, ouais, des frappes, des occasions. Ça fait plaisir. On le sent quand même très très présent. Allez, ça repart encore une fois. Mais Pierre Lègle, mais côté gauche, mais. Mais gros, c'est son côté. Mais celui-là, mais il jouait pas 8 avant. Si, ouais, il était mieux de terrain. Bon, de temps en temps, des fois, pour peut-être attaquer sur position. Avec Sonny, le contrôle un peu trop long, et ça a été bien couvert aussi par Van Buyten. Oh là 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 là. Sonny qui était à deux doigts de choper ce ballon. Parce qu'il paraît, il y a un Stadier qui a ramassé sur la frappe de Mendieta. Paul Mirabel, encore une fois, regarde, qui gère le rinté, c'est bien, il lève la tête. Oui, il gagne encore de l'espace, le ballon ne lui brille pas les yeux. Oh oui, l'appel, mais il vient chercher l'appel de. Ah ouais, il attaque l'espace derrière, regarde. Paul Mirabel, est-ce qu'il voit? Oh, le dribble. Oh là là, mais Paul Mirabel, mesdames et messieurs. Samir. Avec Samir Nasri, la première fois. Ludo Djuli. Ça plonge dans la surface. Attention, Ludo Djuli, la passe en retrait. La frappe de Bougueraba. Et on se manquait les contrôles. Oh, ya ya ya. Action chaude là. Mais hé, Paul Mirabel, on a vanné, mais hé, du petit taf, hein. Du petit taf. L'action est très très chaude et il est 21h et je vois des dons de 1€ pleuvoir. Si on peut juste mettre le feed, on veut voir juste là, voilà les dons. Là, ça éclate le mur. Le mur de dons, vous êtes plus de 75 000. Merci beaucoup en tout cas pour assister à ce match des héros entre la team OL Légende et la team UNICEF au profit de l'UNICEF. Et on est en train de le faire. Sydney. Bah, il est trop fort, Van Buyten. Van Buyten. Oh là là. Qu'est-ce que... Petite main de Van Buyten. Petite main, petit... t'imagines, là, tu peux tirer le coup franc. Ouh là 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 là. Qui tire en vrai? Là, gaucher. Ça a l'air d'être Milson. Gaucher pour rentrant, ou peut-être si tu veux plutôt privilégier le centre, tu vois, tu peux aussi tirer un peu extérieur. Oh là là, la barre de dos qui bug, elle est 11 000 qui sont passés, les amis. Et là, ça va très très vite. Hein. La moitié de l'objectif. On nous dit que Streamlabs a crash, l'armée des 1, la barre de dos est en train de bugger, hein, mais on va... Oh. On va y arriver. On va rentrer, PA, on va rentrer. Sydney. Oh, petite faute de Sydney. Sydney qui avait envie d'aller plus loin. Ça a joué vite. Regarde, regarde l'appel. Ludo Djuli pour l'appel. Julie, il a reçu le ballon. Il est en forme. Hein. Attention. Ça va vite. Hein. Djuli face à Patrick Müller. Allez, Djuli. On s'en tient à Redouane. Djuli, attention, il va se mettre sur le droit. Peut-être la frappe enroulée. Oh, l'arrêt de Rémi Vercoute. Oh, Claudio Cassapa aussi avec la Protec. Et derrière Vercoute, tout de suite, sur Sony. Ça fait plaisir. Sony Anderson. Encore une fois, Pierre Lègle qui se démarque, qui demande le ballon. Sonny Anderson peut-être avec un appel. Oui, ça Sonny. Continue. Oui, Sonny qui dévie. Oh, le jeu. Ah, ils ont du mal à se trouver avec Sydney. Peut-être la récupération de la part de David Linares. On va venir écarter sur le côté droit avec Edmilson. Le contrôle est un petit peu raté, mais ça n'empêchera pas l'appel de Sonny qui n'a pas été vu. On va revenir sur Brian Bergugno. Edmilson qui récupère le ballon, qui est pressé par Paul Mirabel. Attention. L'ambiance qui monte, l'atmosphère qui monte. Patrick Müller en une touche, c'est bien. Regardez, ça joue collectif, mieux que l'OL 2021. Bergugno. Bon, attention à Chadley peut-être pour la remise en retrait, la frappe de Bobou. C'est contré, ça va être récupéré par Laure Boulot. On actualise la barre, vous avez fait 2 000 € de dons avec ce rush des 1 et je vois que ça continue. Merci beaucoup. Magnifique. On lâche pas. Magnifique. Et on est quelle minute? On est minute 20. Hein. Dans 2 minutes, on a Michou et Inox qui rentrent. Let's go. 2 minutes, les amis, vous allez pouvoir voir Michou et Inox. Il faut encore une fois une grosse armée de 1 pour célébrer leur rentrée et essayer de voir s'ils vont s'en sortir. Mais en attendant, Pierre Lègle qui reçoit à nouveau le ballon et ça repart au milieu. Enfin, moi, je veux vraiment voir une grosse frappe de Sony à l'ancienne, quoi. Attention, Brian Bergugno en une touche pour Sony. Oh là là, mais Sony avec Edmilson. Il y a encore un petit peu de l'espace, le rythme est tranquille. Il y a un peu d'espace là quand t'es à peu près là où il y a une. Ouais, regarde, mais tu vois, ça joue tranquille, ça presse pas fort, c'est pépère, tu vois, c'est. Ça, là, ça va, ils ont de l'espace, Bréchet. T'as la pression, toi ou pas?
Bah, en fait, la seule pression que j'ai, c'est si je vais au goal et qu'il y a 0-0. Tu sais, genre, si je ressors, il y a 2. Ah ouais, 3, ouais, vois, ouais ok. Ça fait oui, vraiment, t'as enchaîné l'équipe, quoi. Tu vois. Sur ça, limite, j'ai envie d'ailleurs Sony, hein, le terrain, c'est bien aussi, tu vois. Et on va voir des entrants du côté de l'équipe UNICEF. Je les vois d'ici. On va voir Ricardo Carvalho et Bakary Sagna pour apporter encore. Regarde, ils vont faire beaucoup de changements. Regarde le nombre de changements qui arrivent. Inox, Michou. Mais également Nuno Gomes, ça va apporter de la puissance offensive du côté de la team UNICEF qui attaque. Je ne sais pas si encore la Miss France a réussi à toucher un ballon. Là. Il faudrait pouvoir la faire croquer. Peut-être un changement d'aile pour Carambeu. Carambeu. Mendieta. Carambeu. Mendieta à nouveau. Il se retourne. Tranquillement. Carambeu encore une fois. Deuxième poteau, il y a Ludovic Joly qui est tout seul. Ludovic Joly est tout seul, deuxième poteau. Edmilson qui va le couvrir en marchant. Mendieta. Magnifique Bouguerraba, le ballon qui circule du côté de la team UNICEF. Ça propose à gauche avec Julie et leur boulot. Julie qui a vu leur boulot, est-ce qu'il va décaler ou pas? Ça décale, ça met une feinte finalement. Si leur boulot qui est bien parti, attention au centre en dernière, attention Julie. Deuxième poteau. Oh, c'est un peu court et ça vient derrière. Mais finalement, Christian Carambeu qui réussira pas à relever cette frappe. Et je me retourne, je vois un 50 balles de la part d'un anonyme, un 20 balles de la part de Manu. Les 12 K500, 50% qui sont passés. Et là, du côté de la team UNICEF, ça prévoit. Attends, 2, 4, 5, 6 changements, 7 peut-être. Il y a du Inox, du Michou, du 7 changements. Sinama Pongol, Carvalho. On a qui là-bas Ah, c'est Nuno Gomes. Bah oui, Nuno Gomes. Il y a Sinama Pongol, Sagna. Sagna. Attention, Sonny. Oh. Et du côté de la team OL, 2 changements également arrivés. Tony Parker et Christophe Delmotte. Oh, Christophe. C'est beau, Paul Mirabel. Bouguerraba avec Julie. Julie qui prend son temps. Le ballon pour Nasri qui a envoyé un petit appel. Ah, le contrôle là qui est pas parfait. Il réussit quand même à récupérer le ballon. Il a toujours du pied. Non, il mais a ça toujours sent. Du regarde pied. Ça un peu. Regarde ça. Le ballon qui quitte pas. Et le bon pied de Patrick Muller. Et les changements qui arrivent. Ah, Tony, hein. Tony et Christophe. Delmotte, c'était quoi? Latéral droit. Et là, il va rentrer à la place de Patrick Muller. Regarde. Ouais. Bergugno qui sort. Au profit de Tony Parker, Delmotte qui rentre, et là en face, il y a du monde en face. Et là les amis, sous 80 000 viewers, vous allez assister aux entrées de Bakary Sagna. Et regardez, vous les voyez, il y a Michou, il y a Inox, ils sont hypés, il y a Sinema Fongol, il y a Nuno Gomes. On entend Inox sur les let's go, avec sa voix là. Ça fait plaisir. Pour l'instant 0-0 à la 23ème, hein. On a vu des belles frappes. Et oui. Oh, Inox et Michou qui ont une belle ovation quand même. Belle ovation. Pour Inox et Michou. Ah ouais. Je crois qu'ils sont pas encore entrés, hein, parce que. En fait, quand ça les a annoncé, justement, il y avait eu une petite ovation. Oh, attention, l'arbitre de touche. Qui dit ces deux changements en même temps seulement. Non, qui demande juste une photo pour son fils. C'est très différent. Ah non, finalement Michou Inox qui ne rentreront pas. Ah. Ça change, Paul Mirabel Paul pour Michou. Paul qui ne voulait pas sortir, il y a des petites incompréhensions. Ah, on applaudit. À Miss France. C'est qui dit qu'elle a touché un ballon. En même temps, elle est là, voilà, aussi pour soutenir. Hein. Et les deux qui rentrent. Non mais il y aura beaucoup d'entrées et de sorties. Oh, Inox va se placer où? Côté droit, Inox. Inox latéral droit. Mais Michou, par contre, attention aussi parce qu'il a joué en club. Van Buyten qui relance Mendieta. Michou là directement, regarde. Il y a du sang frais, il y a de l'activité. On veut voir ses premiers ballons, on veut voir leur boulot. Avec Nico. Qui échange. C'est bien Mendieta. Allez, Nuno Gomes. Nuno Gomes. Oh, là, attention, Michou, pour Michou peut-être. Oh, Michou. Oh, Michou peut-être peut sécher dans la surface. Attention, peut-être, Michou. Et le gros tacle de Chanelet pour l'empêcher. Le gros tacle. Allez, Sidney Govou qui est venu là pour aider dans l'entrejeu. Chanelet qui est un peu en difficulté. Il s'en sort tranquille. Hein. Tu sens que les, bien. Les mecs ont été pros. Hein. Il y a quand même une diff où. Magnifique. Où c'est quand même. C'est quand même très, très fort. Et je crois qu'on a Kanto et Paul là justement au bord du terrain. Paul qui a fait une belle entrée. Hein. Et merci messieurs, merci PA, merci Zach. Je suis avec un sortant justement, Paul Mirabel, l'humoriste qui a fait une très belle entrée et qui a fait soulever tout le stade là avec ton petit dribble chaloupé. Hein. J'ai fait un petit dribble à Tony Parker, ça fait plaisir. Eh mais je pensais pas que t'avais du football comme ça, ça se voit que t'as pratiqué. Moi non plus je pensais pas, je t'avoue, mais il fait très chaud. Ça fait quoi de jouer contre des champions comme ça? J'imagine qu'il y avait un peu de pression quand même. Hein. C'est fou quand tu regardes les gens autour et tout, c'est émouvant. Bon. Ils sont tous très bienveillants en fait.
T'entends tes coéquipiers qui te parlent, qui te motivent et tout, donc c'est cool. Bon Paul, j'espère que tu vas rentrer, merci d'être venu, on se retrouve plus tard. Merci Kanto et Polo, Kanto qui va chercher tout le monde. Le petit dribble à la Tony Parker. Il y a 13 000 euros dépassés, Edmilson peut-être pour la vitesse, on va même pas aller chercher. Ah Michou, allez Mich, hein. Allez mon frère. T'as failli marquer sur le premier ballon. Il a pris un gros tacle. Il s'est fait sécher. Ça l'a un peu secoué. Allez, Ricardo Carvalho, ça relance. Avec Mendy, t'inquiète. C'est Nuno Gomez qui s'est fait bouger. Il s'est fait bouger par Pierre Laigle. Ah bah, gendarme. Ricardo Carvalho, sur le côté avec Bakary Sagna. On voit Michou qui se place entre les défenseurs. Regarde, il est prêt à envoyer un appel. Il est prêt à demander cette profondeur. Il est prêt à recevoir Inox avec le ballon. Inox. Oh, Inox, elle est belle cette passe, Inox. Elle est horrible. Elle est sublime cette passe. Oh, le tac d'Inox. Oh oui. Oh, le double contact. Allez, relève-toi, Inox. Oh, non, le ballon. C'est pour qui là? C'est Tipeee. Tony Parker, peut-être. Oh, le petit geste. La talonnade. Et ça repasse le ballon au milieu. C'était incroyable. La frappe peut-être à venir, il a de l'espace. Peut-être. Oh la chaloupe. Oh là, petite tentative ratée, Sinama Pongol. Ah, Sinama Pongol aussi qui est rentré. Qui s'écarte sur le côté. Il y a Mendieta encore qui lui demande le ballon. Regarde, Mendieta, beaucoup d'activité. Hein. Il se démarque. Le ballon qui arrive à Nuno Gomez. Michou peut-être. Ça Michou, c'est ton moment. Il y a des options avec Sinama Pongol, peut-être pour Michou. Le truc, c'est qu'il est pris de très très près par Kassapa. Il n'ose pas prendre la profondeur. Bon, attention, Nuno Gomez, attention. Faut te mettre devant, Nico. Et là. Un peu qui finira à côté. Déjà, il a envoyé. Hein. Il a envoyé de la frappe. Double contact, Inox. Ah ouais. Double contact. C'est fait régler. Ah là là. Les 14 000 euros qui approchent, les amis. À 25 000, on vous rappelle, avec PA, on rentre en seconde mi-temps. On est où là? 27 000. C'est R9. 27 000. 27 minutes, pardon. 27 minutes, monsieur. Je me suis enflammé. On compte sur vous 100 euros. Let's go. Cascador, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On peut remettre les donations justement dans les gros rushs, et moi je vais lire voilà les dons aussi, mais n'hésitez pas à continuer, on veut pouvoir rentrer là sur cette seconde période. Attention, Sinama Pongol qui vient presser Sidney Govou avec toujours des solutions. Le ballon encore une fois, ça écarte, c'est bien. Linares, Laigle. C'est vrai que t'as un peu de temps si jamais, en fonction d'où t'es, mais si t'as un contrôle un peu large. Et genre ça te presse pas de fou malade, tu vois, c'est ok. Et regardez des entrants arriver côté de la Team OL. Alain Caveglia, Camille Abili qui va s'échauffer. C'est beau à voir. Et à gauche aussi, hein, Boussif et Bonpastor. Attention Nuno, peut-être. Non, c'est bon, c'est Claudio. C'est du Claudio pour Rémi Vercoutre. Et avec Michou qui met la pression. C'est bien, sans ça écarte. Problème. Delmotte. Le ballon. C'est bien avec Pierre Legg qui avait décroché. Le 1-2. Ça regagne encore des espaces. Le bloc qui monte petit à petit. C'est bien. On voit Sidney Govou au centre. Ah, et malheureusement, le ballon qui est perdu. En fait, le truc, les gars, c'est que. Il y a Jacques Santini qui est là, mais c'est surtout Sonny Anderson pardon, qui est quand même le capitaine et qui est un peu l'entraîneur aussi. Et en fait, au tout début, il avait prévu, bah, justement, il ne savait pas quand est-ce qu'on allait remplir la cagnotte. Et il savait. Attendez, c'est Inox là, c'est Inox qui est côté droit. Oh. Non, c'était pas Inox. Si. Ah, si. Je crois que c'est Inox. Hein. Ah, ouais, si, c'est totalement lui. En vrai, il fait une belle entrée. Hein. Ouais, il fait une belle entrée. Ouais. Un double contact, une passe ratée. Mais comme tu disais, il savait pas exactement quand on allait remplir la canotte, du coup il savait pas vraiment. C'est ça. Et en fait, pour l'instant, il nous avait, parce qu'il y a entre guillemets un plan de jeu, il nous avait un peu prévu. Oh, l'extérieur, heureusement, Chanelet ça bouge pas. Chanelet ça bouge pas avec le Tony. Voilà, là il y a quelque chose, c'est un 3 contre 3 avec Govou, avec Tony Parker aussi qui est en proposition. Sidney Govou, Tipeee, peut-être la frappe, peut-être Anthony Anderson, c'est Anderson le contrôle. Oh, le contrôle est à Tony Slolo. C'est pas terminé, il est pris quand même par deux, peut-être essayer de gratter un corner. Sonny Anderson, c'est dommage. On est sur un corner quand même gratté. Et ce que je disais pour finir mon histoire, les amis, c'est qu'ils pensaient nous mettre justement un peu à la fin, un peu sur à la 85e minute, parce qu'ils savaient pas. Ça serait beau qu'une fois la mi-temps, on puisse lui dire, avant qu'il rentre au vestiaire, justement, Sonny, où on en est. Et limite que, en fait, on peut rentrer seconde période. Donc là, il nous reste encore 15 minutes avant la mi-temps. Il faudrait pouvoir envoyer ou au moins être vraiment pas loin de ces 25 000. Exactement. Pour qu'on puisse s'imaginer rentrer sur cette seconde période. On compte sur vous, en tout cas, c'est juste sous le stream. Les amis, tout à l'heure, on a vu un gros rush aussi. Là, j'ai vu du 10 euros au Moa. Et en même temps, vous profitez du match, c'est normal. Mais voilà, pour nous, avec Zach, c'est aussi un rêve de gosse d'être là sur le terrain, justement, du stade de notre équipe. Au bord du terrain de notre club de cœur. Favorite. Et c'est vrai que c'est déjà fou de pouvoir commenter. Mais alors, toucher la balle. Je vais mettre une énorme frappe, les frères. Je vais mettre une énorme frappe. Moi, PA, je veux que tu puisses marquer ton but. Tout le monde va mal me regarder, mais je vais mettre une énorme frappe. Je le veux.
Ah, il y a Douag dans le chat. Émotivé dans le chat, Douag, là. Le général, on a chauffez, besoin. Chauffez le général. Et Carvalho, attention, regarde, qui gagne de l'espace. Il y a Camille Abili qui est parti s'échauffer. Oh, le ballon qui est repris par Chanelet. Chanelet, attention. Hein. L'activité de monsieur Chanelet et de Wilson. Attention, gros pressing de Michou. Ça passera pas. Mais Tony, on est en touche. C'est bien, c'est propre. Mais la boum, là, non? Franchement, j'aimerais bien. La Team OS, je trouve qu'il frappe pas assez. Ouais, bah t'inquiète. Jens Lehmann, il est tranquille pour l'instant. Il a subi une frappe en 30 minutes. Tu vois. Je vais. Voilà, il va. 35 mètres. Un gros Silmi. Franchement, je veux que tu envoies un Silmi. Franchement, PA, promets-moi, si t'as 30 mètres, t'as un tout petit peu d'espace, tu frappes. S'il te plaît. Ouais. 25. 30, parce que j'ai peur que de pas voir. 25. Frappe ce ballon. 25, c'est fort déjà. Frappe, je le veux. Allez, Bakary Sagna. Mendieta. On voit Nico qui est... Oh, le petit appel attention, en profondeur. Heureusement, Delmotte. Christophe Delmotte avec le tacle. Le tacle légendaire. Et ça fait de vrais échauffements. Robert Duverne qui échauffe les remplaçants là du côté de la Team OL Légende. C'est beau, c'est beau. Et ça y est, ça se réactive là dans le chat. 21h13 à 15, on envoie tout ce qu'on a. Allez, les amis, on envoie tout ce qu'on à a. 15 ans, c'est vite l'époque. Commencez les montées de genoux. 50 euros, 20 euros de get-get, 20 euros de raf, du 10 euros aussi de la part des anonymes. Sous le stream, il y a le bouton. Edmilson sur le côté. Allez, go vous. Go vous. Il n'a pas trop de solutions. Ça manque un petit peu de solutions comme ça du côté de la Team OL Légende. Ça manque de, ouais, de petits déplacements là. Ça manque de Pierre-Alexis Bizot, tu vois. Ça... ouais, tu le sens. Ah, il leur faut. Ah, il leur faut. C'est ouf, je sais pas le dire. Et oui, monsieur. Allez, ça continue. Attention, le ballon qui va peut-être venir dans les pieds de Sidney Govou. Oui, il est vif. Il est facile, Sidney, il est facile. C'est un tout petit peu long et surtout petit hors-jeu de la part de Tony Parker, mais c'était pas loin, pas loin du tout. Faut enlever les hors-jeux. Raid à 15, dans une minute les amis, dans une minute on envoie là. En une minute, on est à combien? On est à 14 300. 14 300, ça monte bien. Allez, let's go. Monsieur Duvert. Allez, nouveau changement. Nouveau changement, je crois, c'est pour la Team OL. Eh, Boussif, je pense qu'il peut faire la diff aussi. Bien sûr, Boussif, Sonia Montpassin. Le lien. Allez, allez, la Team OL là. Allez, la Team OL. Eh, Boussif. Boussif, il va envoyer du geste. Boussif, je pense qu'il va nous régaler. Boussif, il veut marquer son but. On a Alizé Lim, on a Joker et Roméo Elvis qui rentre avec aussi Cyril Gann qui apparemment il a digéré l'intoxication alimentaire. Ah non. Cyril Gann qui vient de se faire recal. Et Inox qui sort. Ils auraient eu un petit 10 minutes. Michou également qui a peut-être sorti. Oui, Michou également qui sont sortis. Et, ah, c'est bon, Cyril qui rentre. Allez, et Joker également qui est David Linares qui sort, Pierre Lec qui sort. Qui est-ce qu'on a d'autre? Il y a Boussif, Alain Caviglia, Sonia Bonpastor, Camille Abili pour la Team OL. Le Red D1 qui part. Le Red D1 là. Et regardez-moi ce mur. On va chercher les 15 000 les gars, on va chercher les 15 000 sur là. La sortie de Sonia Anderson. C'est pour notre entrée, mais c'est surtout pour l'UNICEF, pour les enfants voilà, qui ont été victimes de la guerre. On a dépassé les 15 000. On a ça dépassé, va très vite. Regardez les 16 000, les 20 000 même, on va chercher. Il y a du 30 euros aussi. Et on soutient. Passage de bras. Tout largage avec du 100 euros pour Lucien. Et ça c'est beau. Alain Caviglia, légende de l'OL, Sonia Anderson. C'est beau, c'est beau. On va aller chercher beau. Sony, on va aller chercher Sony après. On va déco avec Sony après. Bah laisse-le peut-être se reposer ou tu penses quoi? Comme vas-y, va le choper, allez, il dit bonjour. Sony Anderson, mesdames et messieurs, qu'on aura. Je vous avais déjà raconté l'anecdote, c'est la personne quand j'étais à Bin qui m'a plus qu'impressionné juste de serrer la main. Cyril Gann là qui s'est bien battu. Attention, Cinema Pongol. Côté gauche avec Lorboulot. Lorboulot là qui va pouvoir avancer. Lorboulot pour le centre. Attention dans la surface. Hugo Gomez qui a contrôlé. Hugo Gomez qui se retourne. Finalement, ça va pas pouvoir le faire. Et c'est dégagé par la Team OL. Cyril Gann qui réécarte côté droit avec Bakary Sagna. Bakary Sagna, le centre un peu long. Chanelet qui va être en couverture. 150 euros. 150 euros de la part de Grimpag, d'Antoine aussi, j'ai vu du 50. Il faut l'impressionner quand il vient, il faut l'impressionner là. 50 euros. Vas-y, parfait, parfait, c'est normal. Il sort, il a pas mal donné. Mephisto aussi, Julien. Merci à tous et toutes. Le rouleau compresseur. Faut que quand ils viennent, ils se disent, ah, putain, Sagna n'a pas changé sur les centres. Vous êtes des bâtards, eh, frère. 100 euros aussi, Adrionis. Vous savez pas ce qu'on va proposer, hein. On est à 17K. Mais mec, là les gens sont bouillants. Mais c'est magnifique. Ils ont compris, là il fallait plaire au capi là. Oh attention. Presque le petit, 17. Le petit ballon. Allez, un peu de foot avec ici, c'est Camille Abili hein, ça, si je dis pas de bêtises. Exactement. Ah, Cinema Pongol, Florent. Il gère, regarde, il écarte. L'ancien leur boulot. Et ça repart. Regarde Nuno Gomez, beaucoup d'activité. Oh la passe est appuyée. Joker qui pourra pas la prendre. Parker qui va éliminer Joker. Les 17K qui sont passés. Caviglia avec bon Pastor. Attention, oui. Tony Parker ici avec le coup de physique. L'habitude des écrans. Avec Tony Parker.
avec Sinegovu. Sinegovu sur le pied droit peut-être, on vient remettre sur Chanelet. Le centre peut-être à venir. Chanelet, attention, entrée de surface. Sinegovu sur le pied droit. Sinegovu. Oh, le gros arrêt. Viens là, Sony. Pose-toi tranquillement. Prends le casque. Et c'est beau, je vois plein de 50 euros. Je vois plein de belles choses, les amis, pour la team UNICEF. C'est pour ça qu'on est là. Et on accueille une légende de l'Olympique Lyonnais, mais aussi du football. Sony Anderson, les amis. C'est par le Barça, par l'OM et par notre club. Oh, attention, le centre. Le centre, Tony Parker à la tête. Ça a été dégagé. Bon, Sony, comment tu le sens, le match, là? Attention. Pénalty. Non. Comment ça va, Sony? La bite n'est pas pour nous. Hey, t'as été deux, trois situations dangereuses, là, pour toi. Et il va retrouver les jambes, je pense qu'il a... Longtemps qu'on n'a pas joué. Ouf. Ah ouais, la Boussif, il est allé chercher. Ah, il s'est donné, hein. Bon, on est pas mal. On ouais, dit... c'est pas mal, mais je pense qu'il manque un peu plus de jeu. Et pour avoir la peps vraiment pour aller marquer, je pense que deuxième mi-temps, on va retrouver le deuxième souffle et on va pouvoir... On va dire marquer. Sony, tu parles de peps, tu parles d'énergie, de jeu, j'ai l'impression que tu es en train de me citer, en fait. Sony, qu'est-ce que... Coach Sony, tu cites bien, alors. C'est pas facile. Alors, après, on est à 18 000 euros. Hein. C'est donc, pas je pense facile. Que... Il y a un mec qui vient de donner 1500 euros. Les 25 000, Sony, on va les éclater pour la seconde période. On te laisse te reposer en tout cas. Je vais reposer pour que je puisse. Tu vas marquer après? Mais ouais. Bah, bien sûr. Ah, mais on veut du doublé, du triplé, la... Sony. Hein. Tu prévois quoi pour nous? Il y aura le deuxième temps, il y a l'équipe légende mélangée 2002 et les autres joueurs. Ok. Va être une grosse équipe. Très bien. Bah écoute, Sony. Tu veux faire jouer Domingo où? Où il veut. Ah ouais, où je. Ah, où il veut. Vers le milieu. Côté gauche. Ouais, très bien, je suis gaucher. Ah, tu le sais, toi. Ah, il a bien, c'est bien, il a analysé. Oui, j'ai analysé quand même. Sony, je vais mettre une grosse frappe un moment. Voilà. Cadré. Oui, mais cadré, c'est bien. Grosse frappe, un gros missile. Et moi, Sony, j'hésitais, tu penses, je rentre au cash ou je rentre sur le terrain? C'est toi qui vois. Sur le terrain. Sur le terrain? Ouais. Vas-y, je rentre sur le terrain. Let's go. Début de mi-temps? Début de seconde période? Ouais. Il faut arriver à 25 là. Début de seconde période, 5000 euros. Début de seconde période, 5000 euros. 7 minutes, déposez 2 euros dans la seconde période. Merci Sony, va te reposer ta tête. Le capitaine, la légende ici. Ça, c'est incroyable. Tu sais qu'il m'a dit exactement ce que je voulais entendre. Je voulais aller sur le terrain. Mais je vais aller sur le raté. Je fais quoi si il gagne coup d'épaule ici? Coup d'épaule à nouveau. Let's go. Putain, et je mets une frappe. C'est quoi? Oh, attention, Sinegovu, peut-être de quoi frapper. Oh, c'est dommage. Oh, Sinegovu. PA, ouais. Je vais me mettre au milieu. Mets-toi sur le côté. J'ai le ballon. Ouais, je pense à toi. Petite passe en profondeur. Je pense à toi. Mec, c'est n'hésite pas, t'envoies un appel, tu te démarques, je te file le ballon. C'est parfait, c'est pas le moment d'arrêter du coup les dons, les amis. Ouais, let's go. Avant la seconde période, on peut aller le faire là. On peut aller le faire et je vois que vous êtes très très chaud. Merci énormément, c'est pour l'UNICEF, des dons de 20 euros qui pleuvent sous le stream. On est 90 000 sur le stream aussi, merci beaucoup pour ça. Magnifique, avec des applaudissements. Attention le tag. Très bonne ambiance au stade. Attention, toujours avec Nuno Gomez, ici la bonne fin de corps. Nuno Gomez, est-ce qu'il y a des solutions? Avec Joker. Joker, il a une touche pour Sinama Bongol. Oh, le beau ballon. Profondeur. C'est qui? Ah, c'est Romo Elis. Oh. Il est allé jusqu'au bout. Il est allé d'exploser. Oh, y a, c'est la folie. Hein. On passe les 20. Il y a une bête d'ambiance en plus. Ah, oh, Sony. Il faut kiffer, il chante pour Sony, c'est beau. Ah, c'est exactement magnifique. Ce qu'on voulait ici. Attention, attention Nuno Gomez. Attention qu'avec Lia là, avec une perte de balle un peu dangereuse, Nuno Gomez qui s'emmène un peu. Oh, il est allé. Mais attends, mais il y a Chris qui peut rentrer. Et les 20 000 euros qui sont passés, les amis. Eh, plus que 5, les amis. Oh. Oh, aïe. Si Kanto veut venir aussi avec nous, il peut. Hein. C'est magnifique. Attention, Boussif qui part rentrer, regarde au milieu de terrain. Boussif, tu vois un fuck. Oui, Boussif qui garde le ballon et qui écarte, c'est très très bien. Sur Camille Abili, le ballon avec Boussif à nouveau. Boussif de quoi frapper peut-être. La faute. Oh, la double faute. Boussif, la triple faute. Oh, il s'est foutu dans la surface. La technique. Il avait failli emmener tout le monde. Il a été trop gourmand et attention, ça peut faire mal avec Romeo Elvis. C'est un 2 contre 2 avec Nuno Gomez. Le ballon qui arrive à Nuno Gomez, le 1v1 contre Claudio Cassapa. Attention, ça revient. Il faut qu'il prenne une décision rapidement. Romeo Elvis qui est hors jeu. Ça a eu le temps de revenir. Bakary Sagné la Oh, Bakary Sagné la
Ouais. Heureusement, Rémi Vercoute attentif. Encore 100 euros de la part d'un anonyme. Magnifique. Quasiment 21 000. On va aller sur ce terrain, on va aller sur ce terrain. Oh, Tony qui a failli passer dans le dos. Eh, Boussif, il a été greedy. Il a voulu faire le spectacle jusqu'au bout. Il est bouillant. Il aurait pu marquer. Franchement, je pense qu'il avait la place pour frapper avant. Je le pense. Ah, et Laure, ça n'est pas sorti toujours. Hein. Non. Laure, la cardio, mec. Laure, boulot. Et ça a été quoi, Benatia pour Carvalho, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et Cyril Gane qui est rentré, cette fois il est au mitard. Cyril Gane au mitard. Ça joue quand même. Comme Casemiro, la belle passe. Attention, on a fait heureusement Rémi Vercoude avec une sortie de patron. Pendant ce temps, il y a Sony hein, qu'on voit bien aussi. Nord. Qui est dans le virage. Il est allé dans le virage, c'est magnifique. Magnifique. Allez, phase de relance, ça repart. Jérémy Bréchet. Avec Sonia Bonpastor, il me semble. Elle passe le ballon. Pour Alain Caveglia. Regardez comment le ballon part. C'est bien. Il circule. Chanley, Govou, il commence à trouver les automatismes. C'est bien. Govou, il rentre dans le centre. Il rentre dans l'axe et il passe sur le côté. Oh, dommage. Ah, on a essayé de chercher Tony. Et à chaque fois, des contres hein, pour la team UNICEF. Il y a de l'espace. Hein. Oh, dans le dos. Oh, le beau ballon. Hors jeu. On a eu peur quand même. 21 000 dépassés. Plus que 4 les amis, plus que 4, on plus que 4K les gars. Et plus que 4 minutes aussi avant la mi-temps. On a rempli les 80% de l'objectif, ça fait super plaisir sur ce match où il n'y a toujours pas de but. J'espère qu'à un moment ça va se décoincer. Je pense que le premier but va décoincer beaucoup de choses. Ouais. Tu vois, pour l'instant ils jouent un peu comme ça. Le premier c'est but, vrai ça que 0-0, c'est. C'est étonnant. On s'attendait vraiment à ce que justement ça soit un peu football champagne. Bah oui. J'ai l'impression qu'il manque un élément. Et même deux, puisque Zach sera sur le terrain. Il manque deux éléments, monsieur. Allez. Oh là là, le switch entre le goal et milieu de terrain, Zach. Moi ça me va total. Oh, Boussif. Boussif, c'est bien. Il y a un appel de Tipeee, peut-être Boussif qui va peut-être chercher la frappe. Dommage. Il la voulait sa frappe, il fallait la mettre. J'ai vu la tête de Tony Parker sur la frappe. Il fallait la mettre. On est à combien? On est à 22 000, ça arrive. 3 minutes, on les a, ça va venir. Ça. Il nous dit sinon on rentre pas, les gars, 100 euros, oui, je veux voir ça là. Allez, on s'active, on sort la CB. Non mais regardez, là on a eu le temps de lire Flutch. D'accord, là c'est ambiance The Event, les amis, d'accord. Pour qu'on rentre, là, regardez. Il se fait plaisir. Ah, c'est Céane. Ah, il s'est fait presser. Ah ouais, ça va pas kiffer, on passe double 50 euros aussi, triple 50 euros avec Prodonic. Allez, on se prend des pressions par Sony. Merci, c'est pour les enfants et c'est pour qu'on puisse rentrer, c'est super important, on vous rappelle notre objectif et leur boulot. 1500 encore, magnifique. 1500 balles à nous, de la part d'un anonyme. Merci beaucoup, je vous rappelle, hein, 66% défiscalisé aussi puisque c'est un don pour l'UNICEF. Donc n'hésitez pas, Kanto, rejoins-nous Kanto. N'hésite pas, 50 euros de la part de Gudu. 23 125, il nous manque 1800 euros les amis. On est là, oh, le fait plaisir ballon. Ma commu, merci beaucoup. Toujours présent dans les grands moments. Vraiment kiffé les mecs, merci beaucoup. Et il y a Kanto qui nous rejoint sur le plateau. Nuno Gomez, toujours le ballon, c'est bien. Ça écarte sur Romeo Elvis peut-être. Non, ce sera un ballon pour Rémi Vercoute. Kanto, t'en penses quoi pour l'instant là du match aussi toi? Bah c'est incroyable, il y a un niveau qui est incroyable. L'ambiance est dingue et franchement on se régale hein. Eh, on est quasiment là, il nous manque 1500 euros. Sony nous a un peu mis la pression, là on y est presque, hein, sous le stream avec Jean-Marc Chanley ici qui a réussi à sauver la ballon. Attention Joker, ouais, mais c'est un peu loin là pour le geste. Chanley. Allez, peut-être avec Delmotte là qui a proposé. Non, finalement ça va être Tony Parker. Tony. Le contrôle. Le contrôle de Tony. Alain Caveglia, le capitaine qui récupère ce ballon. Oh, ça relance, 100 euros de plus. Allez le foot, on va voir le coach sur le terrain. Comment je vais vous décevoir? On va le faire, on est à moins 60 secondes. Moins de 2000 euros. Qui t'a vraiment impressionné là, Kanto? Depuis le début, bah là, Cyril Gane, quand il est rentré, il a fait une vraie percée. En plus, il a vraiment, pour le coup, monté en l'air Boussif. Hein, quand tu l'es passé sur le dos, j'ai eu peur pour lui. Hein. Ah, vraiment, il est retombé. Boussif aussi, on a senti dangereux. Oh, joli sort, Jens Lehmann, avec la maîtrise de Jens Lehmann. Il faut qu'on puisse s'échauffer après. Hein. Non, mais... Et si on rentre froid comme ça, on va se claquer en 30 secondes. Il manque 1000 euros. Enfin, ennemi, quel match. Ennemi, l'énorme match. Joker. Ouais, c'est un gardien qui est un spectacle. 24 000, plus que 1000 euros. 1000 euros. Ça va le faire. On est à 45 minutes. Le rush des 1 euro, là, c'est le moment. Le rush. 91 000, 1 euro chacun, 100 euros de Limoges. 50 euros pour mettre, 20 euros. Père Ballon d'Or. Et c'est la mi-temps. Et les gars, on va avoir 20 secondes pour le convaincre, là. 40, on a combien? 24 200. Les amis,
Et il faut qu'on lui dise que c'est bon, il faut qu'on lui dise que c'est bon. 1000 euros, 1000 euros. On va voir Sony, on lui dit que c'est bon. Monsieur, monsieur, il est où, monsieur. Il est où, Sony. Il est où, attends, je regarde, il est là, n'est pas il est là, déjà il est là, il est là. Il est juste il est là. Là, va le voir pour lui dire qu'on a les 25 000 euros en 45 minutes. Merci beaucoup les amis. On va pouvoir rentrer sur le terrain. Il va y avoir Kanto justement avec vous et c'est pas fini hein, puisque justement bah, le but c'est de récolter des sous pour l'UNICEF. On a voulu mettre 25 000 parce que voilà encore une fois, je me sens pas spécialement légende de l'Olympique Lyonnais comme des Sonny Anderson, comme des Govou, même des Tony Parker. Donc voilà, je voulais aussi bah, vous mettre à contribution pour l'UNICEF et merci pour ça parce qu'à chaque fois que je vous demande des trucs, vous êtes présents, ça fait trop plaisir. J'espère que vous passez un aussi bon moment que nous et va falloir aller dans le vestiaire. S'échauffer un peu. Si tu veux, il y a le chat juste ici, Kanto. Carrément. Tu peux te mettre à ma place même. Et on va voir justement. Oh là là, Sony qui négo avec Zach. Sony qui nous dit peut-être après. Il va falloir nous faire rêver un peu en tout cas. Zach va revenir. J'ai peur que Zach revienne avec une nouvelle. Non, il arrive, il a l'air bien en forme alors, là. Alors prends le casque. J'ai des news, les amis. Vas-y. Alors, here we go. On va rentrer, mais pas tout de suite, pas au retour de la seconde mi-temps. Okay. Il m'a dit, tu sais, c'est des compétiteurs. Normal. C'est des joueurs qui ont envie de gagner. Ils veulent mettre un but. Voilà. Il m'a dit, on va mettre la grosse équipe au retour des vestiaires. Je suis pas dedans. Mais assieds-toi, j'ai un truc à te dire. Pourquoi je suis pas dedans? T'es pas dans la grosse équipe. Je suis pas dans la grosse équipe. Mais là, c'était pas la bonne. Il y a quand même un petit mais. Il m'a dit, un 20-25 minutes de grosse équipe et on rentre derrière. Ok, donc vers la 60e quoi. Je dirais 65. 70. c'est pas moi le coach monsieur hein. Si on choisit des camions. On va rentrer dans le temps additionnel. on va jouer 25 secondes à peu près. Non, en réalité normal, si on rentre qu'il reste un quart d'heure 20 minutes et qu'on joue tout on ressort pas. En vrai c'est propre. Non mais de ouf. Mais là, là j'ai senti qu'il voulait vraiment mettre la grosse équipe, il voulait marquer. Parce que c'est les 20 ans du titre aussi hein, bien évidemment. Donc alors commencez pas avec c'est honteux les amis, bien sûr. On est là quoi qu'il arrive pour justement récolter le maximum de sous. Oui, on a pris une petite douille par notre idole. C'est la vie. C'est la vie, les amis. C'est pas ça. En vrai, en plus, qu'on rentre un quart d'heure en début de seconde mi-temps ou un quart d'heure à la fin, foncièrement. Ouais. Attends, les amis. Ouais, on voit que PA, là, il est chaud. Il va chercher un ballon. Les gars. Ça va faire les transversales. Hein. Oh là là, PA. Les jongles, il continue. Aïe, allez. Le contrôle était propre, millimétré, la balle n'a pas bougé. On était au Brésil pendant quelques instants, Zach. On était au Brésil, monsieur. C'est moi, j'ai tenté quelque chose. On était au Brésil, monsieur. Ouais, alors ça c'est le chèque de 434 000 euros justement pour l'UNICEF, puisque en fait tout le concept justement d'événements comme ça, c'est qu'il va y avoir des marques qui financent l'intégralité, typiquement Oppo, d'ailleurs pour lequel je suis devenu récemment ambassadeur, a mis aussi beaucoup d'argent. Ça va ou quoi? Tranquille. Ça va? Ça fait plaisir. T'es une freestyleuse, non? Tu veux nous faire une petite démo? Tu veux nous faire une démo? Allez, vas-y. Tu veux nous faire une petite démo? Tu veux nous faire une petite démo? Vas-y, petite démo freestyle. Allez, let's go. Mets-toi juste ici, c'est parfait. Un tout petit peu plus loin. Tu peux t'écarter encore un petit peu. Un tout petit peu plus loin, sur la pelouse. Vas-y, sur la pelouse, comme ça on te voit bien. Tu vois, regarde, là on te voit pas. Vas-y, encore. Là on te voit, c'est bon. Un tout petit peu plus. Allez, let's go. Oh, attends, mais monsieur. On détend. Tout à l'heure, elle a peur. Ah, monsieur. Elle est là. Elle a envoyé. Comment? Johanna. Bah écoute, un plaisir en tout cas, Johanna. Mais non, mais y a pas de souci. Ben, ça fait kiffer. Il faut nous parler. Non, mais attends, incroyable. Hein. Merci en tout cas. Parce qu'on est en live là. Les amis, franchement, ce petit 25 000 euros. On a dépassé les 25 000 à l'instant. On est à 26 000. Zach, tu pensais y arriver avant la mi-temps? Franchement, j'en savais rien du tout. Parce que je savais que les mecs étaient bouillants. Mais à ce point, franchement, magnifique. C'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Nous, on négocie pour rentrer si tu veux dans notre serveur. Bien sûr. Vas-y, merci. Oh là là là. Elle est présente quand même. Oh, il va voir c'est le challenge orange. Je sais pas si vous connaissez. Ah ouais. Oh, le challenge orange, c'est toujours ma Madeleine de Proust. Est-ce que tu veux, puisque du coup, nous, on va moins jouer. Ouais. Tu sais, genre, se mettre. Chacun notre petite veste, on se fait des cages et puis on se fait notre petit foot. Je suis là, frère. Ça peut être. Moi, je suis là. Soyez cool un peu sur Twitch. Dès que vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas,
ne soyez pas forcément... Bah, oui, tranquille, ne sortez pas les griffes tranquille. Sur chaque personne. Bah, oui. C'est plutôt bonne ambiance ici, vous voyez. On est là pour un bel événement. Comme je vous disais, 434 000 euros donc, du coup, qui ont été donnés pour l'UNICEF. Alors, c'est un mix de tout, parce qu'il y a la billetterie, justement. Il y a les dons, parce que aussi ils ont mis en place une option pour pouvoir donner en ligne. Et justement, il y a des marques aussi, typiquement, vous voyez, présentées par Oppo, qui ont lâché un gros billet pour que l'événement, bah, justement, puisse déjà être financé. Et que bah, le but de tout ça, quand même, c'est justement de ramener de l'argent à UNICEF. Et forcément, d'amener autant de gens, ça a des coûts de sécurité, etc. Why not, Kanto? Moi, je vais juste faire un petit tour. On peut avoir les images ou je reviens tout de suite. Carrément, je suis là. Je suis là. Moi, le Challenge Orange, c'est toujours mon petit kiff. Hein. C'est toujours mon petit kiff. Enfin, je sais pas, on a les images ou pas? Si on peut avoir les images, c'est magnifique. C'est vrai que c'est quand même vachement kiffant de voir des jeunes. À chaque fois, t'en as qui font des ballons piqués, des frappes de loin. Et c'est vrai que c'est fort agréable. Et c'est vrai que des fois, c'est aussi une petite frustration hein, pour les jeunes quand ils ratent leur face à face avec le gardien. Voilà, les dribbles chaloupés, c'est très propre. Plat du pied, sécurité, Zach. Petit plat du pied, sécurité. Mais après, là, ils voient pas les images. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué pour eux. Là, on voit des images de la première mi-temps. Il n'y a pas eu, par contre, énormément d'occasions en première mi-temps. Ouais, c'est ça. Il y a eu Nico Capone quand il est rentré qui a déclenché une frappe. Il y a eu quelques occasions avec. Essayez, on a les images. Ouais, incroyable. Franchement, ouais, c'est propre, c'est encore plat du pied. On sent qu'il y a du foot quand même. Hein, chez moi, mon petit kiff comme ça à chaque fois, pour être tout à fait honnête, et c'est un plaisir sadique. Hein, mais quand tu es dans le stade, et je pense que tous ceux qui vont au stade, c'est peut-être un peu pareil, sauf si vous n'avez pas une mentalité comme moi, ce qui pourrait être compréhensible. T'es là, t'es sur le stade, challenge orange, et tu vois 8 gamins ratés d'affilée. Incroyable. Je dis ça sur un magnifique love. Celui-là est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. On va regarder. En face, et en face, j'ai pas vu ça marquer beaucoup, mais en tout cas, voilà, une belle parade du gardien. Oh, il se casse la gueule derrière. Et attention, ça repart. Regardez la chevauchée. C'est bien, il va arriver face au gardien qui va essayer de réduire l'angle. Peut-être le dribble. Le crochet. Pied gauche. Non, il prend son temps. Oh, mon dieu, Zach. L'occasion d'une vie qui est ratée. C'est dommage. Ah là, c'est terrible. T'as PA, je te rends ta place. C'est dommage. Ça part de l'autre côté. De l'autre côté, vous avez pas les images, mais c'est pas grave. C'est un but de l'autre côté. Et là, on repart. PA, ouais. Pronostic sur cette personne. Comment tu le sens là? Il loupe. Ouh, le dribble. Non, c'est bon. Ah, il a été bien, putain. Ah, j'ai l'œil du coach, quoi. 100% de loose. Les potes, on a aussi un truc, parce que je vous disais justement, bah, c'est Oppo qui permet aussi voilà, d'être dans ce stade. Et du coup, on va vous faire gagner un téléphone, tout simplement. Let's go. Voilà, tout très simplement. Bien. Donc, n'hésitez pas, celui que j'ai aussi dans le chat. Donc, ça va juste être du merci Oppo. Il y a eu un petit but au calme. Donc, Oppo Find X5 Pro dans le chat. Juste un petit merci Oppo. Comme ça, on régale. Ça, et ça fait plaisir. Putain, vous parlez de quoi? Vous parliez un peu des résultats? J'ai dit qu'en première mi-temps, il n'y avait pas eu trop d'occasion au final. En même temps, du côté d'UNICEF, en défense, pour le coup, t'as Van Buyten et on sent qu'il est vraiment affûté. T'as vu la vitesse à laquelle il y allait? Il allait vraiment au contact. Quand t'as Van Buyten et Carvalho, on parle quand même de Carvalho qui a joué à Chelsea, Benatia également, c'est les mecs qui ont gagné la Champions. Enfin, pour Carvalho, à Porto, c'est quelqu'un dans le milieu. On n'a pas le même palmarès, quoi. Non, mais c'est vrai que moi, honnêtement, je suis un peu impressionné par le niveau. Je suis un peu en stress. Ah ouais? Tu sais que moi je m'attendais à pire que ça. C'est moins propre que ce que je pensais. Ok. Genre après je dis ça, quand je vais rentrer je vais manger un petit pont hein, mais mais non, je m'attendais à pire. Genre là ça va, ça joue tranquille, tu vois, je trouve. Okay. En vrai PA, je pense que toi ta force c'est ton physique. On sent que quand tu joues dans les espaces, il y a de la place. Non mais tout à l'heure en vrai, j'ai mis une frappe et genre je me suis un peu claqué. Parce que à l'entraînement j'ai moi aussi. Ah ouais. Un peu au genou. Non mais mec, tu sais que j'ai voulu mettre une grosse frappe pour voir un peu si jamais il y avait cette situation et genre j'ai mal là depuis. là aussi je peux juste te donner un conseil, c'est quand tu recevras le ballon, tu vois bien qu'il t'attaque pas direct. Ouais. Tranquille. Ouais, prends le temps. Prends le temps, mesure les options. Parce que tu vois, il y en a, ils reçoivent le ballon, ça leur brûle les pieds et boum, passe en retrait ou quoi. Après, je pense que t'as le temps. Prends pas trop le temps non plus parce que vous allez jouer 2 minutes quoi. Donc prends le temps. Mais de manière mesurée. Non, je pense qu'on va jouer le dernier quart d'heure, je pense qu'on va faire tout le dernier quart d'heure. Ne dis pas ça. J'espère sincèrement que vous allez jouer un bon petit moment parce que ben, ce match, il va falloir le débloquer tôt ou tard. Ouais, c'est vrai. Mais là, en fait, ils ont tellement envie de le débloquer que je t'ai dit, je suis allé voir Sony, il m'a dit, au retour des vestiaires, on met la team 1. Il m'a dit, on met la team lourde. C'est qui la team 1? Il va y avoir Chris. Oh, il y a Essien. Je pense qu'il y a Essien, Thiago, Malouda en attaque. Oh oui. Ah, et bah, Sony. Sidney Govou, encore, qui était déjà là. Ils vont mettre Chris Kassapa, peut-être, ou Chris Müller, un truc comme ça. Frère, c'est... Là, en gros, je suis allé voir Sony, et il m'a concrètement dit, dans ses mots, il m'a dit, on va tryhard. Excuse-moi, j'ai juste imaginé le changement du coup vers la 70e. Essien, Zach Nani, Malouda, Domingo. Mais imaginez-vous, les gars, vous êtes supporters de l'OL.
Imaginez, c'est vous qui venez débloquer la situation du match des légendes. Ah ouais, des 20 ans du titre de l'OL. Les gars, moi, tu veux, c'est quoi mon scénario idéal? La team 1, elle arrive, elle met 2-3 buts faciles. La team UNICEF attaque, il y a des espaces partout, on rentre. Dans le dos de la défense. Petite passe de Zach, appel de PA, 1v1. Il est vraiment bien ce survêt. Ça fait plaisir, hein. Ouais, c'est vrai, hein. Avec le petit maillot en dessous et tout. Oh putain, comment ça se passe vous de votre côté là sur le stream, les amis? Est-ce que vous passez un bon moment? Bravo, bravo les jeunes, bravo. Bravo les gars, bravo. Ça a marqué ou pas? Oh, désolé, désolé. C'est pas grave, c'est pas grave. Chacun un petit vent. Ah, let's go BG. Ah putain, le seul à qui j'ai demandé s'il avait marqué, il a mis un poteau. Je suis dans un sale mood, je crois. Je crois que j'apporte quelque chose de pas positif. Mais en fait, t'attires du... Ouais, je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, allez le foot, hein. Voilà, allez le foot. Allez le foot. Ça va ou quoi? C'est moi? Oui, non, c'est moi. Ouais, beaucoup. Vas-y, j'arrive, je vais faire 2-3 petites photos avec les gens. Ah, ça va, en tout cas, j'espère que tout se passe bien. Encore une fois, là, c'est un peu la fête du foot avec les gens et tout. Donc, il y a plein de gens qui passent et tout. Soyez cool. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Après, c'est quoi? Tiens, je vais marcher aussi vite fait. Vas-y. Quand je te laisse en rapide. Je suis là, écoute. J'arrive. Je suis là. J'espère que, comme l'a dit PA, je vais me mettre au milieu. Ce sera plus agréable pour vous, mais j'espère, comme l'a dit PA, vous régaler un petit peu dans cette très belle soirée. C'est vrai que c'est toujours sympa de voir des matchs de foot comme ça, avec une grosse intensité, mais pour autant, il n'y a pas de faute. Il y a un arbitrage très très propre, pas de situation de hors-jeu, et c'est un match de foot vraiment agréable. Hein. Vous voyez, hein, un petit peu de partout dans le stade. On est au Groupama Stadium, donc un très beau stade tout neuf avec un jeu de lumière absolument fantastique. Et comme j'ai dit, voilà, beaucoup de monde. On a senti de l'ambiance. Je ne sais pas si vous, avec les micros un petit peu en bord de terrain, vous arrivez réellement à ressentir l'ambiance qu'il y a dans le stade. Mais pour un match caritatif, pour un match amical, il y a vraiment une belle ambiance. Le COP là-bas, depuis tout à l'heure, chante aux couleurs de l'Olympique Lyonnais. Félicite sans arrêt les arrêts de Rémi Vercout. Sonny Anderson également est vraiment idolâtré. Et du côté de la team UNICEF, forcément, s'il y a 0-0 à l'heure actuelle, alors qu'on a les champions de France de l'Olympique Lyonnais, c'est qu'il y a du beau monde également du côté de cette équipe UNICEF. On l'a dit, hein, Ricardo Carvalho, on avait Mendieta, on avait des joueurs comme Van Buyten, Jens Lehmann également dans les cages. Voilà, c'est des joueurs qui ont un énorme palmarès, qui ont joué à Porto, qui ont joué au Bayern Munich, qui ont joué dans les plus grands clubs d'Europe, tout simplement. Et forcément, on a une belle rencontre, alors qu'on voit là, on voit les images dans le stade. Tout à l'heure, je suis allé voir un petit peu une personne de la sécurité qui m'a dit punaise, les anciens de l'OL, ils font un bruit, un boucan pas possible dans les vestiaires. On les voit forcément très motivés. A priori, Chris Cassapa et Thiago, là au premier plan, devraient être titularisés pour cette seconde période. On a vu également derrière, c'était Alain Caviglia qui va peut-être re-rentrer sur le terrain, mais beaucoup, beaucoup de qualité. Zach l'a dit, il allait voir Sonny Anderson, ils veulent forcément marquer un but. C'est un match caritatif certes, mais en même temps, outre le soutien de ces enfants d'Ukraine et de la cause d'UNICEF, l'Olympique Lyonnais est là pour fêter les 20 ans du titre de 2002, hein, une épopée qui a énormément duré du côté de la France, une épopée, je ne sais pas votre âge, mais en tout cas moi et mes 28 ans, on a grandi avec cette épopée-là, et forcément c'est quelque chose de marquant. On se rappelle de ces années de Champions League avec des John Carew, avec des Karim Benzema qui marquaient sans arrêt, et voilà, c'est vraiment des... Ouais, bah écoute, Zach, j'étais en train de parler de ces joueurs avec lesquels on a grandi, de cette épopée lyonnaise. Mec, monsieur, à l'époque, j'ai entendu que t'es John Carew. Ouais, j'ai parlé de John Carew parce que c'était l'époque où l'OL, on se rappelle, face à Rosenborg. Et, John Carew, il faisait 2 mètres. Ouais. Il avait marqué de la tête en déviant un coup franc de Juninho, l'ouverture du score, il me semble, contre le Real Madrid à l'époque. Et 2 mètres, à l'époque, tu sais qu'il prenait le métro à Lyon. Incroyable. Tu voyais John Carew 2 mètres comme ça dans le métro, c'était... Un peu comme Cyril Gane, quoi. Exactement. C'est incroyable. C'était grave marrant. Incroyable. Et vous revoyez le retour des joueurs, et là ils ont dit qu'ils allaient mettre la team lourde OL. Je fais confiance, j'ai bien envie de voir qui ça va être. Et là regardez, je vois les noms. Malouda, De Flandre, Chris, Thiago, Kallström, Sidney Govou. Ouais, mais... regarde les trois là. Hein. Benatia, Van Buyten, Bakary Sagna, on a vu Mendieta. On a vu Nuno Gomez, Christian Carvalho. Ah non, mais en fait, je crois que les deux équipes, elles en vont très bien. Ricardo Carvalho, Jens Lehmann, on a Laure Boulot également qui est les là-bas. Amis, les équipes, ils ont dit, les Avengers, là, allez dehors. C'est les Avengers, ils sont là. Ils ont dit dehors, les créateurs de contenu, on va envoyer le lourd maintenant. C'est important pour eux. Donc attendez, je vous refais un petit peu l'équipe. Alors l'équipe de l'OL, de ceux que je vois. Donc pour l'instant, je vous ai cité, il y a Kim Kallström, il y a Edmilson, il y a Chris, il y a Thiago, il y a Malouda, il y a De Flandre, il y a Sidney Govou,
Il y a Rémi Vercoutre, bien entendu, au gardien encore. Peut-être Sonny Anderson qui va rentrer. Oui. Je vois Eric Carrière peut-être sur le côté. Mika Essien. Mika Essien, il est là, il est avec Sonny. Et de l'autre côté, je vois Nuno Gomez, Bakary Sagna, Benatia, Carambeu, Van Buyten, Ricardo Carvalho, Jens Lehmann, Laure Boulot, Nasri, Nuno Gomez. Et encore une fois derrière Ludovic Juli. Donc là les gars, il y a équipe. Le meilleur niveau. Les deux côtés ont mis la grosse équipe. Et je vous le répète, juste derrière avec Domingo, on rentrera vers peut-être la 70e, un truc comme ça. Moi je cache pas quand même, vu qu'on va rentrer sur le terrain. Je crois qu'on va rentrer à 70-75. J'irai nous échauffer, tu vois, genre 5 minutes avant. T'as raison. Parce que là, frère, tu sais, t'imagines, on rentre et le claquage en HD en 1 minute 30. C'est Zach Nani, hop, allez, hop, c'est bon, tu sors. Ce sera un match un petit peu court. Et ce sera un petit peu court et pas ouf. Donc là, ce que vous voyez, les amis, sous vos yeux, c'est quasiment le trio complet du milieu de la grande époque des Olympiques Lyonnais. Michael Essien. Accompagné de Thiago, il manque forcément Juninho ou Gila Diarra. Gila Diarra qui aurait dû être là, mais c'est dommage, il n'est pas là. Mais en tout cas, franchement, c'est énervé. C'est le tryhard qui a été mis. Là, franchement, les mentalités sardoches. Voilà, mentalité sardoche. On est presque plus sur un match caritatif, en fait, j'ai envie de te dire, Zach. On est sur un match en jeu avec les deux coachs qui ont mis vraiment la grosse équipe. On a envie de gagner. On n'a pas envie de s'amuser. Non. Là, les deux coachs ont mis la grosse équipe. Et à un moment, quand ça repartira un peu plus en fun, c'est le moment où on se permettra de rentrer en cours. Mais c'est beau. L'avantage pour vous, c'est que quand ça va tourner du côté de l'OL, ça va tourner également du côté de l'équipe UNICEF. Ce sera peut-être un petit peu plus abordable. On va rentrer face à Inoxtag et Michou, frère. Ça va être beau, ça. Parce que là, je t'avoue, Zach, je t'aime beaucoup. Mais si tu joues face à Carvalho, Van Buyten, Bakary Sagna. Mais je touche pas une bille. C'est compliqué. Mais je touche pas une bille. Je touche pas une bille, frérot. Je ne touche pas une bille. Vous voyez à l'image, Florent Malouda, ailier de l'Olympique Lyonnais, ailier de Chelsea également, qui était, je crois, dans l'équipe qui avait gagné la LDC. Oui, qui y était. Eric Carrière, bien entendu. Ah là 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 là, c'est beau. Et on a vu sur au centre du terrain des enfants ainsi que Bernard Lacombe, qui est une personnalité, une légende absolue de ce club. Ça fait super plaisir. Et j'espère également que vous passez une bonne soirée, les amis, que la prod vous plaît, que le commentaire vous plaît, que le divertissement vous plaît. C'est un petit peu chaud, vous avez d'équilibré entre les émotions qu'on est en train de vivre et le show qu'on essaye de vous donner. Donc franchement, j'espère que vous passez un bon moment et on vous remercie du fond du cœur. Que ce soit pour le soutien des enfants victimes de la guerre en Ukraine ou alors pour nous permettre d'aller sur le terrain, les mecs. Vraiment, c'est voilà, je tenais à prendre quand même quelques instants pour vous profondément vous remercier. Et c'est le retour de la seconde mi-temps. Je te laisse y aller, Quentin. Et merci, Zach. On a donné le coup d'envoi justement avec Sidney Govou qui revient directement derrière. Et c'est Eric Carrière tout frais qui va donner le ballon derrière à Edmilson avec Chris, le gendarme derrière qui écarte sur le côté avec Florent Malouda. L'appel de Kilm Karlström qui va jouer une touche de balle avec Thiago. On a le sentiment que ça accélère, Zach. Et oui, ça accélère. Regarde Florent Malouda, le jeu qui y va. Là, il y a des mecs frais, il y a des mecs qui sont échauffés. La mentalité tryhard s'est mise. Et là, le contre. Et regarde les retours défensifs. Kim Kallström qui va jouer en plus en arrière-gauche, je pense, avec son pied gauche. Nasri, peut-être le ballon, non, qui va être pris par Chris. Carambeu. Nasri qui récupère le ballon. Là, ah, ça va commencer en tryhard. Ça a commencé en tryhard, PA. Et là, regarde, Bakary Sagna qui va peut-être se retrouver sur le côté face à. Oh oui, Kim Kallström, ça rigole pas. Ouais. Et là, c'est le coup franc qui va être joué sur le côté droit, du côté de Bakary Sagna, derrière lui avec Christian Carambeu qui rejoue dans l'axe pour Samir Nasri. Il va essayer d'écarter, il faut l'aérer ce jeu pour trouver des espaces, mais il est bien entouré. Le bon pressing de la part de Thiago. On revient derrière, PA. Ouais, ça reste dans les pieds de Samir toujours. Hein. Et les deux équipes ont mis une équipe tryhard. Ok, d'accord. Là, c'est niveau max, quoi. Niveau max, exactement. Kim Kallström. Oui, Kim. Oui. Oh, Flo Malouda. Ah, ça passe pas sur Christian Carambeu, ça, toujours avec Daniel Van Buyten. T'as une petite coupe et tout, archi beau gosse. 1,95, il est là. Ça bouge pas la montagne là. Non, ça ne bouge attention, pas. Attention, Julie. Oh, joli. Bien, ça a essayé, mais c'est Mika Essien. Bah ouais, il y a un monsieur. Il est trop kiffé. Il y a un monsieur là. C'est trop kiffé. Allez, Mika Essien, le genre d'une touche. Regarde, Edmilson, ça combine. Eric Carrière qui se retourne, il a un petit peu d'espace. Thiago, devant lui. Sonny Anderson qui va peut-être essayer d'envoyer un appel. C'est compliqué. Ça solution à droite peut-être. Ouais, ça y est. Avec deux flancs peut-être, regarde ici, Sidney, troisième poteau. Carvalho, Van Buyten, Benatia, tu peux pas centrer, frère. Tu peux pas centrer en vrai. C'est trop dur. Ça arrive d'être chaud de passer, mais on va regarder ça et ça repart pour un contre. Leur boulot, Ludovic Juli qui est devant, il y a de l'espace. Samir Nasri, regarde sur le côté après Nuno Gomez. C'est bien. Attention Nuno, là, heureusement, ça. De l'espace pour tirer. Ça décale côté gauche avec Samir Nasri sur le pied droit. Son poteau. Heureusement, Kallström tout en douceur, tout en délicatesse pour Rémi Vercoutet. Peut-être là la contre-attaque. Claudio Cassapa.
Ah, Edmilson pour Carrière. Il a du champ libre, mais finalement, il n'y a pas beaucoup de solutions hein, devant avec Govou un petit peu esselé. Carrière qui est obligé de revenir dans l'axe avec du rythme, Eric. Edmilson, ouais, il faut essayer d'accélérer, proposer des solutions. Et pourquoi pas avec cette transversale du côté de Malouda sur Sonny Anderson, le contrôle de la poitrine, messieurs. Sonny. Allez, Sonny qui provoque. Sonny pour Sidney. Finalement, ça jaillit. Et c'est Christian difficile Carambeau, de passer ça sur repart les côtés. De l'autre côté, là, c'est du qui croche, je sais pas quoi là. Un attaque défense. Sur le côté, regarde, Nuno Gomes qui va récupérer le ballon, ça attention va peut-être plonger dans l'axe. Attention. Nuno. Attention à Nuno Gomes. Oh, attention. Gros boulot, Pierre. Hein. Gros boulot, Pierre. Sur le côté, incroyable. Magnifique. Et ça repart. Regardez Malouda. Eric Carrière, c'est très difficile. En fait, il joue avec une défense à 3. C'est super dur hein, de casser une défense à 3. Super compliqué. Eric Carrière, Malouda. Et là, regardez, il y a Sidney Govou qui va peut-être essayer de se démarquer, d'envoyer un petit appel. Il reçoit le ballon, mais il n'a malheureusement plus la vitesse de pointe de l'époque. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément super bien le foot, et ça peut se comprendre, hein, pas le sport de tout le monde. En fait, si vous voulez, l'équipe UNICEF joue avec une défense à 3. Et la défense à 3, ça coupe beaucoup l'axe et ça rend le passage et l'espace très compliqué. Et surtout, vu que c'est trois défenseurs de qualité, Ricardo Carvalho, Van Buyten, Benatia, bah autant vous dire que les attaquants de la Team OL Legends sont mis à la paix. Voilà. Ça s'est calmé sur les donations, hein. Le but était de donner envie avec ce donation goal. On va pas hésiter à rafraîchir, mais n'hésitez pas à continuer les petits dons. Et pendant ce temps, je crois que... Avec Messaoud qui est là. La Team L'Équipe, voilà. Exactement, on est sur L'Équipe. Ouais, tout à fait. Bah, bonjour L'Équipe, on est à l'heure actuelle sur Twitch, en direct. On a récolté plus de 25 000 euros, du coup, une entrée qui ne saurait tarder sur le terrain. On est pour l'instant en train de regarder la frappe de Mendieta. Papa, Rémi Vercoute qui va la dévier en corner. Mais en tout cas, ici, c'est très très chaud, hein. Je tiens à vous le dire sur L'Équipe. Hein. C'est bouillant, quoi. C'est super chaud. Et un joli corner à venir, qui le joue à deux. Mendieta sur le côté, ça repasse par Bakary Sagna, la frappe qui a un peu réveillé tout le monde. Mendieta, attention Eric Carrière, regardez, il a du ballon, de l'engagement. Il a encore beaucoup de ballons, Mendieta. Vraiment, il m'impressionne. Mendieta est peut-être le plus impressionnant. Ouais, parce qu'il a 48 je crois, un truc comme ça. Bah, c'est un mec qui a été dans la grande épopée de Valence, hein, notamment. On parle pas d'un petit joueur. Et attention quand même à Sidney Govou qui va essayer d'accélérer. Mais le repli défensif. Ouais, mais regarde le repli défensif, il est parfait. L'alignement est parfait. Ils sont 5. On est à 5 en défense du côté de la Team UNICEF. Ils sont 6, c'est l'Atlético. Ah là, la passe pas assez appuyée. Le Cholismo. Attention, ça sort avec Ludo Juli. Ludo Juli, il va vite, il est rapide, il est Mendieta. Vif. Mendieta. Attention, il y a un appel de Nuno Gomes peut-être. Le petit ballon. Oh, le petit pont. Oh, le petit ballon. Tu reviens. Hors jeu. Oui, merci. Et merci Rémi aussi hein, qui s'est jeté. Eh, les amis, on est 86K. Et en tout cas, bah, j'espère qu'on va pouvoir continuer à grimper comme ça. Florent Malouda qui repart, qui écarte sur Kim Kastrom. Attention, là, il y a peut-être un petit peu plus d'espace. Oh, le joli ballon peut-être au second poteau. Mais Daniel Van Buyten qui va veiller. Solide, hein. Et on va partir. C'est super difficile de casser cette ligne de 5 de la Team UNICEF. Ils sont posés. Ils sont alignés, mais tu l'as dit, à un moment ils sont 5-6, c'est le cholismo. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est le jeu qu'on n'aime pas. Mais on a l'impression que quand on a un match caritatif, ça va partir dans tous les sens. Et finalement, on a une science de la tactique qui est absolument parfaite. Attention quand même à ce corner du côté de l'ancien international suédois. C'est Kim Karlström à la baguette, il va peut-être le mettre dans le paquet. On a des joueurs de tête, messieurs. On a Chris, on a Edmilson dans la surface de réparation. Avec le corner directement dans la boîte, c'est dégagé par Benatia, mais c'est pas terminé. Qui va rejouer sur Kim Kastrom. Peut-être il y a un peu d'espace là, on le voit. Avec Flo Malouda peut-être. Oui, Flo Malouda, le décalage, il n'y a pas hors-jeu. Oh, et c'est difficile. Allez, défensivement, ils sont allez, trop calés la team. Allez, Carambeu qui a de l'espace, ça peut être chaud là justement avec Nuno Gomes qui est lancé. Eric de Flandre, gros coup physique de Chris, mais attention à Juli. Juli côté gauche, Juli passe à Chris, Juli qui continue à pousser dans la surface. Oh oui, c'est à côté. Bien sûr que c'est à côté, c'était très très chaud. Il procède en contre. C'est magnifique, la Team OL qui est obligée de se découvrir pour essayer d'attaquer et qui derrière prend des vagues. Regardez cette petite foulée, sa frappe pied gauche. Magnifique. Oh là là, il la croise un tout petit peu trop. Eh, le retour de Chris, c'est quand même incroyable parce que Juli, ça cavale. Ouais, il y a un coup de physique au début. Let's go, ça fait plaisir. Michael Essien, ça écarte avec Thiago. Kim Kastrom qui a un petit peu d'espace. Et qui va en profiter. Ça ne plonge pas assez dans l'axe, on le voit, c'est difficile, il n'y a pas beaucoup d'espace, c'est très loqué. Grosse défense. Hein. Ben oui, la ligne de 3 là, regarde, il n'y a aucun espace. Avec Carrière, avec Florent Malouda, on va essayer de créer des petits triangles ici avec Florent Malouda à nouveau. Peut-être pour Eric Carrière, ça joue dans des espaces très 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 petits avec Kim Kastrom côté gauche, Kim Kastrom qui lève la tête, le centre en retrait, personne pour le reprendre, Sonny Anderson qui a tenté de la dévier sur Sidney, mais malheureusement. Et là, il y a de l'espace au retour. Et là, c'est le contre. Encore une fois, c'est Juli.
Oh, le dribble de Samir Nasri. Et là, il y a beaucoup d'espace. C'est une situation de 3 contre 2. Gros avantage en faveur de la tribune. Attention, le dos. Le centre. La frappe peut-être. Oui, c'est contré. Carambeu encore à la réception. C'est pas fini. C'est pas fini. Samir Nasri. Le centre peut-être, non? Ouh, oh. Julie, qui a... Julie, il est bouillant encore. C'est toujours la même chose. Contre-attaque Team UNICEF, attaque Team OL. Mais là, pour le coup, il y avait un peu plus de monde côté Team OL. Ouais, on est effectivement dans une phase de transition, comme adore le dire Zach chaque semaine. Et on se projette uniquement en compte du côté de cette équipe UNICEF. Mais c'est vrai qu'on a tendance à construire. Kim Karlström est en train de manger littéralement la ligne de touche gauche et propose énormément de solutions. Mais écarter, du coup, on écarter, s'expose. Ah, regarde, encore une fois. Et là, tu vois, ça manque d'appel dans l'axe. C'est normal. Ils n'ont pas le coffre, les frérots, mais c'est chaud. Malouda. Ouais, Malouda, allez Malouda, on sent qu'il y a du ballon potentiel. Allez Eric, trouve-nous une passe qui vient casser des lignes. Eric Carrière pour Edmilson. Il y a un peu plus de monde là du côté de la Team OL. Regardez, Kim Karlström qui colle la ligne. C'est pas mal, c'est ce qu'il faut faire pour essayer d'étirer ce bloc, d'étirer cette très grosse défense de la Team UNICEF. Thiago, Eric Carrière. Très peu de pressing, mais ils sont en place, ils sont en bloc. Ah, ça bouge pas, hein. Non, ça ne bouge pas. Govou. Il faut un exploit individuel. Govou, regarde, gros appel de Kim Karlström, c'est exactement ce qu'il faut. C'est exactement oui, ce qu'il faut. C'est trouvé. Oh. Non, Bakary Sagna, qui ici est bien vigilant. Et tu vois, ça rend le truc compliqué, c'est sans appel et tout, c'est vrai que c'est chaud. Ah, c'est complexe, hein. Défense à 3, MMA, et en plus, la défense, frère. Van Buyten, Benatia et Carvalho. Carvalho. Et Sagna à droite. C'est genre. Écoutez le bruit. Oh. Écoutez le bruit dans le stade. Ah, ça, je les connais, ça fait partie des chants qu'il faut kiffer. Bakary Sagna, Samir Nasri, le métronome Samir Nasri. Et on est à 96 000 viewers, on va aller taper les 100 000. Les 100 000, les mecs. Bakary Sagna sur le côté, le bon contrôle, la combinaison avec Nasri. Dans. Allez, Kim, allez, Kim, on fait l'effort. Allez. Il va vite, Sagna, il va vite, attention. Barre à terre pour Mendieta, pour Lino Gomez, pour la frappe. Oh. Et Rémi et Vercoute qui se couchent bien. Vercoute, il peut encore être titulaire en Ligue 1, je pense. Hein. Oui, 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 bien sûr. Oh, le contrôle du dos. Le gros travail de... Et franchement, elle était pas mal, hein, cette action. Elle était belle. Ouais. Hein. Collectivement, c'était propre. Hein. Alors, on sait que de toute façon, Nuno Gomez, dans ce registre, hein, dans ses ballons et en remise, il est très, très efficace. Et là, il arrive à trouver Ludo Juli et cette équipe UNICEF qui est montée d'un Julie cran avec Juli. Juli est partout. La Team OL qui a beaucoup de difficultés. Encore une fois, le joli ballon. Ça passe encore à côté. Mais tu vois, ça commence à partir. Il y a beaucoup d'occasions là. C'est bien. Ça fait plaisir. Moi, je pense qu'il va falloir faire entrer du sang frais du côté de l'OL. Un certain Zach Nani, un certain Domingo pour venir aider cette équipe. Monsieur, on va attendre que ça fasse rentrer du sang frais du côté de la Team UNICEF aussi. Hein. Hey, j'avoue, attends, 55e. C'est bientôt notre tour là. D'ici peut-être un petit quart d'heure, on espère. Petit quart d'heure, un petit 20 minutes là. Ça ferait plaisir. Et après, il faudra aller s'échauffer. Hein. On va te laisser, Kanto, caster pendant qu'on s'échauffe. Hein. Allez-y, ne vous faites pas mal. Le claquage au bout de 3 minutes, PA. Non, mais c'est important que dès la première touche, vous essayez de faire les différences. Donc, il va falloir bien s'échauffer pour ça. Ah. Parce qu'en face, ils sont bien chauds. Let's go. Oh, c'est ce qu'il faut faire, mon PA. Et Boussif, il peut faire la diff. On a vu tout à l'heure, il a réussi à mettre un peu de vitesse. Ah, il est très fort, hein, Boussif. Hein. Il va faire rentrer Boussif et Tipeee. Il a du ballon, il est physique. Nasri. Le niveau, il est monté d'un cran par rapport à la première fois. Bref, il y a quasiment plus de déchets. 500 euros. 1 euro chacun, c'est 100K. Leur boulot, je ne sais pas si c'est vraiment leur boulot. Il était sur le terrain il y a quelques secondes. Attention, Malouda. Merci beaucoup pour les 500 euros. Attention, Malouda. Encore Malouda. Peut-être il a peut-être un peu de boulevard. On a essayé de la mettre dans le dos pour Sonny Anderson. Ils ne sont pas bien compris. Eric Carrière qui réussira pas à récupérer le ballon. Et Benatia qui va écarter sur Christian Carambeu. Christian Carambeu, sur le côté. Attention, il a de l'espace. Il a encore la tête. Le ballon pour Mendieta. Mendieta avec Bakary Sagna. Et le rythme qui commence à se calmer un petit peu. Ouais, forcément, et pas trop de solutions du côté de Bakary Sagna, obligé de revenir derrière avec Benatia qui va effectuer une transversale par-dessus pour Samir Nasri. L'excellent contrôle de la cuisse de la part de l'ancien international français qui va donner le ballon à Ludovic Juli, omniprésent dans cette rencontre. On écarte sur le côté, l'appel de Laure Boulot qui va repiquer dans l'axe. Elle va essayer de donner le ballon finalement à Samir Nasri. Le crochet de la part de Samir Nasri, la remise de Juli, le 1-2 avec l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Et l'excellente défense de la part de Chris. On oblige Samir Nasri à effectuer une faute. Ce sera une remise en jeu du côté de l'Olympique Lyonnais. Une remise en jeu qui va être effectuée par Rémi Vercoutre. Et je te coupe, on a plus de 100 000 viewers ici sur le stream. Merci beaucoup pour ce match des héros entre la Team OL Légende et la Team UNICEF. Zach est parti aux informations avec Carrière. Ici, il y a du champ avec Florent Malouda. Côté gauche, ancien Lyonnais, ancien Chelsea. Et Florent Malouda aussi, ancien international des Bleus.
peut-être derrière pour Kim Källström. Allez, Källström, allez, Kim, allez, on se retourne, on peut frapper là, on peut déclencher, on peut déclencher. Avec Carrière qui essaye de dribbler Belhacha, on écarte sur le côté, Källström, la remise en une touche, le ballon dans la surface de réparation, bien défendu de la part de la team UNICEF, et Belhacha, comme d'habitude, avec un très grand calme. Et là, on va écarter sur le côté, Laure Boulot qui donne le ballon à Ludo Giuli. PA, est-ce que tu as des infos, Zach? Oui. On est en recherche. C'est bon, on est dessus, vous inquiétez pas, ça va, notre tour va arriver. Carambeu, avec Mendieta. Ah, le stade. Ben c'est bien, ils mettent un peu d'ambiance et un peu de chant. Il y a des groupes de supporters qui sont venus, ça fait plaisir. J'espère que vous pouvez les entendre à travers les micros. Mais ça repart. Eric Carrière avec Kim Källström. Thiago. Un petit peu d'espace devant lui. Attention, ça manque un petit peu d'appel, mais on voit Kim Källström qui vient la porter sur la gauche. Allez, dans la surface, regarde, on voit Thiago qui se défile. Ça pousse. Le bon ballon. Ah, il est trop grand. Second poteau pour Sydney. Joli. Oh, Sonny. Sonny. Aïe, Sonny. Et par contre, le compte derrière, ça va partir vite. Michaël Tien, Christian Carambeu qui lui dit doucement, parce qu'il a failli lui faire très très mal. Mais Tien, il a senti qu'il y avait le feu, il est venu l'éteindre directement. Ah, mais quel est le sang, il est pas avec le dos de la cuillère là. Et on revient derrière avec Bakary Sagna qui touchait énormément de ballons dans cette seconde période. On joue énormément de ce côté droit. Au but. Ouais, clairement. C'est la première fois que je vois un match caritatif où ça fait 0-0 au bout d'une heure de jeu. En même temps, le niveau est gros. Allez, personne veut craquer. Avec Christian Carambeu sur le côté. Sagna, il envoie un appel. Oui, Kim. Kim, encore une fois, qui est là. Et toujours 0-0. Si tu m'avais dit qu'à la 60e minute, t'aurais toujours 0-0, je t'aurais pas cru. Oh, deux petits externes de la part de Nasri. Il était bien tenté pour. Et Ludo Giuli aussi. Thiago. Toujours un bon chemin. Sinegovu, gros appel derrière, là, on l'a vu. De Florent Malouda. Des Flandres. Allez Eric. Avec Thiago. Oui Thiago. Il y a de l'espace. Un peu plus vite ici peut-être Eric. Il y a beaucoup de gens en milieu hein, sur Sonny. T'as trois joueurs. Oh c'est Sonny, il envoie pas assez d'appels. Il aurait pu tu vois. Ça essaie de jouer en pivot. Allez Sonny, mine de rien, il a beaucoup de temps de jeu, il va commencer à être un peu fatigué. C'est vrai. Hein. Normal. Et pourtant il s'est affûté. Hein. Bien sûr. Tu sens qu'il est. Il a fait une prépa physique. Hein. Ah ouais, il est en place. Hein. Il me l'a dit. Hein. Benatia, Sagna. Gros pressing, attention, Jens Lehmann qui n'est plus dans sa cage. Mais ça repart, il y a beaucoup d'espace, regardez. Oh Giuli. Carambeu. Ah mais il y a Essien maintenant derrière. Compliqué. On voit Giuli. 4 contre 4, Carambeu là qui s'est un peu emmêlé les pinceaux. C'est leur boulot. Le centre à venir. Oh, la déviation. Pour Ludovic Giuli. Ludovic Giuli, oh attention la reprise. Foudroyer la team OL légende. La reprise qui a été lâchée. Oh, il a failli nous gratifier d'un but qui aurait mérité le prix Puskás. Ah ouais. Pour le coup là. Et ça repart. Ça aurait été incroyable. La team OL légende qui a toujours autant de mal à faire des occasions. Malouda qui va essayer de percuter. Malouda qui veut faire la diff. On s'appuie sur Tony Anderson. On va essayer de pousser sur Eric Carrière. Mais encore une fois, on a leur boulot. Et surtout, ce diable de Van Buyten. Van Buyten, Benatia, ils font un travail, ils écœurent les attaquants de la team OL. Allez, c'est parti. Carvalho, phase de relance à venir. Il est pressé un petit peu par Eric Carrière. Jens Lehmann qui dit à Bakary Sagna de monter. Jens Lehmann, regardez, il monte, personne va sur lui. Personne va sur lui. Il commence à être fatigué aussi. Ludo Giuli. Il est bien, Giuli. Ouais, c'est un bon ballon ça. Mendieta aussi, hein, qui a du temps. Ah, la petite faute qui est sifflée. Et Tony Parker. Tony Parker qui va faire son entrée. Thiago. Qui est-ce qui va sortir là du côté de l'Olympique? C'est Thiago. Thiago qui aura fait un bon match. Hein. On l'a senti bien en activité. Ah, efficace. Thiago. Ah, c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié lorsqu'il était joueur du côté de l'Atlético ou encore de l'Olympique Lyonnais. Et oui, c'est un très très bon joueur. Un très grand joueur. Et ça repart. 62e minute. Samir Nasri, on sent qu'à chaque fois qu'il touche un ballon, il essaye toujours de casser les lignes par une passe, par un dribble. Il est vraiment efficace sur le match. Il connaît ses classiques. Allez, Van Buyten. Avec Benatia.
Allez, Benatia sur le côté avec Bakary Sagna. Sagna qui est en solo, qui a un peu de champ. Malouda pour défendre dessus. Peut-être revenir sur Mendieta, mais qui est pris. Ah, on fait le choix de passer derrière. Mais attention, Sonny Lakia qui vient presser. On veut pas leur laisser, on veut pas leur laisser d'espace. Mais Jens Lehmann qui s'est permis de monter tranquillement. Ça joue. Oh, ça, tain, la team UNICEF, ça joue bien. Hein. Bien sûr. La team UNICEF, vraiment, elle domine hein, en seconde mi-temps. Hein. Allez, on voit. Nuno Gomez. L'appel n'a pas été suivi. Attention, la petite erreur technique. Oh, y a-t-il pénalty? Non, d'après madame l'arbitre. Ouais, et c'est encore Essien l'intervention. On sent qu'il est, il est rugueux. On parlait de Sonia Anderson qui était affûté, mais Mika Essien s'est affûté aussi. Hein. Ouais, Florent Malouda. Là, pour déchirer il a du champ tendon. Un petit peu. Il a du champ avec Sonny. Sonny Anderson qui a le ballon. Malouda, ah, on le voit. Sonny. Peut-être dans l'axe. Peut-être un appel à venir. Il retourne en arrière avec Edmilson. Edmilson en une touche de balle. Avec Eric Carrière qui se retourne face au jeu. Et boum là. Et peut-être une petite frappe. Ça manque d'un petit boom, je trouve. Ah, tu vois, ça joue lentement. Ça là, joue moi, je trouve un petit boom. Un petit boom qui nous décontracterait. Ah, ça manque de rythme un petit peu. Quitte à ce que ça parte loin. Oh, Samir Nasri. Oh, Samir Nasri, c'est bien. Le ballon sur le côté pour Ludo Djouli. Qui va s'infiltrer dans la surface. Qui arrive en V1. Oh, Ludo Djouli, le troisième raté. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Oh là là. Ludo Djouli, Djouli qui a du mal à convertir. Accélération, mon frère, par contre. Qui a énormément de mal à convertir. Ah, il a mangé la feuille hein, depuis le début du match, Ludo Djouli, du côté de la team UNICEF. Énormément, énormément de ratés, mais à chaque fois, c'est lui qui se procure les occasions. Hein. Oh. Vous avez raison, monsieur Caviglia. Légende. Oh là là. Je me suis fait assier. En fait, vous avez peut-être pas vu, Alain Caviglia, il m'a dit va t'asseoir, tu vas avoir mal au dos. J'ai dit, ok, monsieur. je vais m'asseoir. Chris qui sort. Chris qui sort. Est-ce qu'on a une blessure? Qui est rentré? Je suppose Delmotte. Ah oui, Delmotte qui est là. Et Boussif qui va aussi rentrer. Oui, il n'est pas encore rentré là, Delmotte. Il reste du monde à rentrer du côté de Timo Eljo. Il frise son gars, il y a nous. Moi, je vais enlever le. Son gars, il faut quand même rappeler qu'il a un Roland-Garros à jouer d'ici un mois, grosso modo. Beaucoup moins même, parce que ça va arriver là d'ici deux semaines. Et c'est pas le moment de se blesser pour Joe Tsonga qui va jouer son dernier Roland-Garros. Donc on imagine qu'il va jouer peut-être 5 minutes. Hein. Moi, je suis en maillot. Hein. T'es là, PA. Ça y est, les deux joueurs de l'Olympique Lyonnais. Il est dans le vestiaire. Vas-y, Zach, vas-y. Allez, Zach, va chercher ton maillot. Oh, Zach qui a failli voilà. vivre le pire. Zach, il nous a fait un petit peu comme certains joueurs le font parfois, d'oublier les chaussettes, les protège tibias, le maillot au vestiaire. Et t'en penses quoi? Ces chaussettes hautes ou chaussettes basses? Comme ça, c'est chum? Ben, ça dépend le style que tu veux. Moi, j'aime bien les remonter jusqu'au genou. En fait, j'ai jamais de style. Mais moi, j'aime bien les monter jusqu'au genou, mais avec des protèges tibias, parce qu'après, c'est vrai que vu qu'on a des jambes un peu fines, globalement. Moi, vraiment, le truc qui me définit, c'est que j'ai pas de style, quoi. Donc. Ouais. Les chaussettes au niveau des chevilles, souvent, c'est quand même gage de qualité, très technique. Voilà, beaucoup de joueurs avaient les chaussettes très basses et étaient très techniques. Attention à la remise de Djouli de la tête pour Nuno Gomez qui est signalé en position de hors-jeu. On avait peut-être l'ouverture du score ici, mon cher PA, mais c'est l'arbitre de touche qui est venu signaler cette position illicite de l'ancien international portugais. On rejoue. Avec Essien qui relance tranquillement hein, du côté de l'Olympique Lyonnais sur ce côté droit. On est venu apporter une solution à présent avec peut-être une transverse à l'avenir. Pas trop de solutions. On joue dans l'axe avec Eric Carrière qui touche énormément de ballons. Eric Carrière qui va venir aérer le jeu sur Edmilson qui va chercher probablement Florent Malouda dans son dos carambeux. Ça peut le faire là. Avec Kim Karstrom ici qui revient dans l'axe pour Carrière. Carrière en touche pour Edmilson. La frappe d'Edmilson qui passe au-dessus. C'est pas grave, Edmi, on la frappe comme elle vient. Comme elle vient. Oh, le Zach Nani qui revient avec son plus beau maillot. Ouais, Zach Nani. Ouais, là, je suis ready, là. C'est la combien de 66e. Faudra pas qu'on tarde à s'échauffer. Hein. Vous êtes très beaux, messieurs, dans ces maillots. Je tiens à vous le dire. Vous allez éliminer la pelouse ce soir. Je crois qu'on commence à nous faire des signes. Ah, on vous fait des signes du côté de PA, du côté de Zach. Messieurs, échauffez-vous bien. Je change juste de micro pendant une petite seconde. Du côté de Domingo et le public en folie. Domingo et Zach Nani qui sont en train de s'échauffer. On va récupérer le ballon quand même du côté de la team UNICEF avec Benatia qui écarte sur le côté gauche pour Laure Boulot qui est venu monter. La passe en retrait de Laure Boulot avec cette combinaison. Ce ballon, la claquette. La caisse.
Et la CPA qui est revenue pour commenter cette action. Mais ça sera bel et bien un corner pour la team UNICEF. Un corner qui sera joué directement sur le côté gauche. J'espère que vous êtes très très chaud dans le chat. 106 000 spectateurs pour voir Zach Nani ainsi que Domingo nous gratifier des plus grands gestes techniques. Vous le voyez à l'écran. Peut-être l'échauffement en cours de Domingo, de Zach Nani, mais on a également John Rachid et Boussif notamment qui vont rentrer. Le corner directement dans le paquet. C'est dégagé par cette équipe lyonnaise, mais récupéré par Van Buyten avec Mendieta. Mendieta qui n'a pas de solution. On va jouer dans l'axe directement dans les pieds de la défense lyonnaise. C'est récupéré par Rémi Vercoutre. Ah, ça y est, ils sont chauds apparemment, PA et Zach. Ils ont fait exactement 4 allers-retours. Et les voilà qui vont déjà mettre un petit peu de pression du côté des coachs pour pouvoir récupérer le ballon. Alors que Carambeu donne le ballon à Bakary Sagna. Bakary Sagna, Carambeu, Ludovic Julie, attention, c'est le moment d'accélérer pour Ludo Julie face au défenseur lyonnais. Ludovic Julie qui va trouver un ballon pour Gaïka Mendieta. Récupération de la part de Michael Essien. Très rugueux depuis son entrée en jeu, il va remonter le ballon. Essien qui donne le ballon à présent. J'espère que je ne suis pas en train de vous casser les oreilles à faire que crier. Mais en tout cas, on va crier encore plus lorsque PA va jouer en T-Rex aux côtés de Zach Nani. Et effectivement, on a toujours le ballon du côté droit avec Sidney Govou qui donne le ballon à Sonny Anderson pour Florent Malouda. Malouda qui garde le ballon. Malouda qui essaye de trouver une solution sur le côté gauche à présent avec Tony Parker. Tony Parker en retrait sur la patte gauche de Karlström. La frappe de Kim Karlström qui passe juste au-dessus du but. Ça va, coach? Il m'a dit, ok, Domingo, vous allez vous échauffer 4-5 minutes, 73-74, vous revenez là. PA, tu vas jouer avec Tsonga également. PA qui va jouer avec, je vois, Bon Pastor, on a Tsonga, on a Asion, on a Abili, on a John Rachid, on a Zach Nani et Domingo. Un gros turnover du côté de l'Olympique Lyonnais à venir. Florent Malouda au milieu de terrain pour peut-être un dernier ballon pour l'Olympique Lyonnais avec Eric Carrière. Eric Carrière qui va écarter le bel appel encore une fois de Kim Karlström qui va donner le ballon. Après un contrôle, le centre juste devant le but, au deuxième poteau, l'ouverture du score, elle est signée du héros de la légende. Ce match porte bel et bien son nom, c'est Sonny Anderson qui permet à la Team OL de mener à 0. Et forcément, qui d'autre, qui de mieux que Sonny Anderson pour venir ouvrir le score? Qui de mieux que Sonny Anderson pour venir soulager Zach Nani et Domingo de ce lourd fardeau de venir ouvrir le score, de venir débloquer la situation? Les anciens de l'Olympique Lyonnais auront bel et bien fait le taf. Ils vont pouvoir tirer la révérence dans ce match pour pouvoir laisser place à un sang un petit peu plus frais. Des joueurs qui notamment n'ont pas encore joué. Zach Nani, le grand sourire. Zach, le micro 2 secondes. J'imagine que l'ouverture du score du grand Sonny Anderson te fait plaisir. Monsieur, elle me fait super plaisir. Il voulait mettre son but. Là, il va pouvoir ressortir avec le sentiment du travail accompli. Et la galette de Kim. Magnifique, second poteau. Incroyable. Ça repart déjà très vite, Zach. Va terminer de t'échauffer, mais va pas te crever non plus à l'échauffement. Hein, parce que ça serait dommage de rentrer complètement carbonara sur le terrain. On joue forcément maintenant du côté de la team UNICEF. On va essayer d'accélérer et on est en train de repenser à tous ces ratés du côté de Ludovic Giuli. On donne le ballon pour Bakary Sagna. Bakary Sagna qui essaye de repiquer dans l'axe. Pas trop de solution. L'appel de Mendieta, mais on va donner le ballon finalement à Samir Nasri. Samir Nasri, la fin de frappe pour donner le ballon à Sagna. Le jeu en triangle avec Ludovic Giuli sur le côté pour Samir Nasri dans la surface de réparation. Le centre au deuxième poteau pour l'Amboulot et le ballon qui va toucher le poteau, qui va sortir ici. C'est un corner, me semble-t-il, qui va être frappé par Zach Nani. Allez la chercher. Eh, c'est chaud là. Ouais. Ouais, il l'a sauvé. Elle est incroyable la claquette là. PA, on est 110 000. On est 110 000. Allez, faut s'échauffer. Et là, il va y avoir des changements, me semble-t-il. Je vois Sonny Anderson en bord de touche. Le corner qui va être frappé par la team UNICEF. Joué à la Rémoise avec Samir Nasri. Samir Nasri qui va trouver Ludovic Joly qui repique directement dans l'axe avec à présent Mendieta qui laisse passer le ballon. Oh, le tacle défensif de la part de Carvalho. Je ne suis pas certain qu'il y ait une grosse faute, mais l'arbitre de la rencontre décide de calmer les esprits. On est bon enfant, on siffle la faute, on pose le ballon à terre et on rend le ballon aux joueurs de l'Olympique Lyonnais. Et là, messieurs, Zach Nani et Domingo vont pouvoir entrer devant 110 000 viewers, 110 000 personnes qui ne rêvent que d'une chose, de voir ces deux héros de Twitch venir apporter
leur pierre à l'édifice, à cette équipe légendaire de l'Olympique Lyonnais qui, on le rappelle ce soir, vient jouer pour la cause UNICEF, pour les enfants d'Ukraine, mais également pour fêter les 20 ans du titre de champion de France de 2002. Eric Carrière qui écarte sur le côté avec Kim Karström, le centre de Kim Karström, le tacle défensif de la part de Bakary Sagna qui arrive à dévier le ballon pour Mehdi Benatia. Benatia qui relance proprement avec Mendieta, l'ancien héros espagnol, l'ancien héros de Valence, alors que John Rachid va également faire son entrée d'ici quelques minutes. Et le ballon dans l'axe pour Ludovic Juli, c'est bien récupéré par Rémi Vercoutre. Il reste 18 minutes de temps réglementaire alors que PA est en train de nous rejoindre. PA, qu'est-ce qu'il se passe? Je te vois avec un grand sourire. J'ai une info légendaire. Dis-nous tout. On va voir Jacques Santini avec Zach. Et il nous dit, vous allez jouer en pointe, Zach et PA. Incroyable, incroyable, incroyable. Oh la doublette. PA, tu penses à la célébration là-bas? Bien sûr. Là-bas ou là-bas, comme tu plus, veux. N'en dis pas plus. Celui que tu veux, mais on n'en dit pas plus. Non mais attends, t'as vu les défenseurs là, c'est chaud hein. Ouais. Je vais être dans leur dos, ils vont me presser. Ah ça va, en plus je pense pas que ça va tourner la défense. Là, la place d'Eric, je frappe, tu vois. Ouais, ouais. Faut. Et la frappe d'Eric Carrière qui passe. Je fais peut-être la même. Juste à côté, mais c'est pas grave, tu auras frappé PA. On espère que... Voilà, passe en pivot. Une remise de Zach Nani sur PA, enroulé plat du pied en première intention. C'est ce qu'on veut voir. Kim Karström avec le ballon pour Flo Malouda qui remet le ballon, une touche de balle. Florent Malouda, la frappe de Malouda directement dans les bras, dans la niche de Jens Lehmann qui relance rapidement. On sent la volonté de cette équipe d'UNICEF de revenir au score. On écarte sur leur boulot. Leur boulot qui aura fait également un très bon match, un très gros match. Énormément de temps de jeu, énormément d'aller-retour dans son couloir gauche. On sent qu'elle aussi, elle a affûté physiquement et c'est un ballon récupéré par Sidney Gobou qui n'a pas eu de pitié, qui est venu faire un énorme pressing. On commence à toucher les crampons du côté de Samir Nasri, peut-être un petit peu de fatigue. Le jeu en une touche de balle entre Essien et Milson qui remet 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour Malouda. L'appel de Kim Karström qui est venu aspirer Bakary Sagna, mais on reste dans l'axe avec Sonny Anderson. Une touche de balle et de Milson, la qualité très pure de cette passe. On va jouer devant avec Kim Karström pour Flo Malouda, une touche de balle, Kim Karström encore une fois et Florent Malouda qui va défier ici Mehdi Benatia qui ne se jette pas. Malouda par-dessus au deuxième poteau pour Tony Parker face à leur boulot. Tony Parker qui a mis un véritable caramel à leur boulot et qui la laisse s'écrouler par terre, mais on ne s'est pas défilé du côté de leur boulot. Et Tony Parker qui vient un petit peu agiter la foule ici pour leur dire: on est là, c'est l'Olympique Lyonnais, on est au Groupama Stadium, on n'est pas là pour se laisser faire, peu importe. Eric Carrière qui met le ballon dans le paquet, attention avec ce duel aérien, et Bakary Sagna qui va laisser passer le ballon. Christian Carambeau à la relance pour Ludovic Juli sur le côté. Ludovic Juli face à Edmilson. Juli qui propose ce ballon à Ricardo Carvalho. Carvalho qui va donner les ballons dans la surface de réparation pour Ludovic Juli. La bonne sortie de la part de Rémi Vercoutre qui va écarter directement sur Kim Karström qui récupère ce ballon et va pouvoir se projeter légèrement vers l'avant avec Eric Carrière. Remise en une touche de balle pour Edmilson. On vient calmer le jeu. Il est temps de souffler. Il reste encore un petit quart d'heure de jeu. Beaucoup de monde là sur le banc de touche. Beaucoup de monde. Thierry Assion, Joe Wilfried Songa, Zach Nani, John Rachid, Domingo vont faire leur entrée sur le terrain. Il va y avoir un énorme turnover du côté de la Team OL. Dans le chat, on va vous demander d'ici quelques secondes d'encourager un maximum nos deux champions, nos deux héros, même si là on va devoir attendre la prochaine sortie de jeu, alors qu'on a également Sonia Bonpastor, Camille Abili qui vont rentrer avec Jérémy Bréchet. Il y a tout simplement 8 joueurs de l'Olympique Lyonnais actuellement sur le banc de touche avec Ludovic Juli. Encore une fois, qui va très vite sur le côté droit. Il va pouvoir entrer dans l'axe là, Ludovic Juli face à Michael Essien. Impeccable, les mains dans le dos. Il n'y a pas de VAR du côté de Michael Essien, mais on décide quand même de mettre les mains dans le dos. Une défense tout simplement parfaite qui va offrir tout de même un corner à cette équipe UNICEF. Un corner avec Bakary Sagna à la baguette, me semble-t-il. Bakary Sagna qui voit Ludovic Juli lui proposer une solution pour jouer peut-être à la rémoise. Et là, si on peut mettre, voilà, j'allais dire un plan derrière moi avec Zach Bonpastor. On a PA également qui sont là. Attention à quand même ce corner qui est joué du côté de l'Olympique, de la Team UNICEF et l'Olympique Lyonnais pour se projeter en contre avec Sidney Govou et Tony Parker face à Daniel Van Buyten. Tony Parker qui essaye de passer face à Van Buyten, mais décidément il est trop fort et c'est un pénalty, me semble-t-il. Non, ça va être un coup franc. Daniel Van Buyten qui vient un petit peu râler, pester devant l'arbitre de la rencontre. Il estime qu'il n'y avait pas faute. Et à vrai dire, j'ai pas l'impression qu'il avait vraiment faute. C'est un duel épaule contre épaule. Pas de pénalty. En revanche, un coup franc. Un excellent coup franc. Christian Carambeu qui fait signe. Non, le coup franc, il est un petit peu plus loin. Si tu siffles la faute, tu la siffles au début de la faute et non pas à la fin de la faute.
et forcément on recule. Mais non, Eric Carrière a repris le ballon. Messieurs, dames, si vous êtes en train de nous suivre, on va, je ne sais pas s'ils vont jouer le coup franc et s'ils vont faire les changements maintenant. J'ai l'impression qu'on va quand même laisser frapper un joueur de l'Olympique Lyonnais, peut-être un Govou, peut-être un Milson. On se rappelle. Dites-moi dans le chat si vous vous rappelez des véritables patates d'Ed Milson, des véritables patates de Kim Karlström lorsqu'ils avaient l'opportunité de frapper les coups francs, lorsque Juninho n'était pas sur le terrain. Quelques changements en tout cas, quelques changements avec ici Laure Boulot qui va céder sa place. Laure Boulot, j'ai pas vu qui c'est qui rentre, c'est Redouane Bougueraba qui rentre tout simplement. Redouane Bougueraba qui a été très marrant. On a Paul Mirabel également qui va rentrer, le copain Paul, très gentil et qui a été très bon tout à l'heure lors de sa première entrée. Il a joué peut-être 12 ou 13 minutes, mais on a vu qu'il avait du foot, hein, Paul Mirabel. Pas forcément dans des qualités athlétiques et dans des qualités de vitesse, mais lorsqu'il avait le ballon, il levait la tête, il nous a gratifié d'un geste technique, il arrivait à orienter le jeu. Il a fait le taf. Attention, j'écoute. Ouais, je suis en train d'écouter. Voilà, on a pas mal de changements alors que j'entends le micro s'ouvrir derrière pour qu'on puisse entendre le bruit du speaker. On devait avoir les changements maintenant. Néanmoins, il y a un gros coup franc. On va laisser la team OL sur le terrain avant de changer de coup franc. Vous voyez également Enoxtag, Nico Capone et Michou en train de venir discuter un petit peu avec leurs fans qui sont venus tout au long du terrain. C'est Edmilson, forcément, pas une grande surprise. Edmilson à la baguette pour ce coup franc, même si là, ils sont plusieurs autour du ballon. On n'a pas l'impression que c'est Karlström parce que là, il est sur le pied droit et Karlström est gaucher, Govou écarté. Ça sera a priori Edmilson qui va le frapper ce coup franc. Alors qu'on a utilisé la tactique, et Redouane Bougueraba qui se met par terre pour que le ballon ne... Qu'est-ce qui se passe? Je vois des allées, ouais, Redouane qui se met par terre. Les nouvelles tactiques avec la frappe de Florent Malouda qui passe au-dessus. Et là maintenant, voilà, c'est les changements dans le chat. Je veux un maximum de bruit, un maximum d'encouragement chez vous. Mettez le feu, mettez le boucan pour l'entrée de Zach Nani, pour l'entrée de Domingo. Et pour l'entrée notamment d'autres légendes de ce sport, j'ai envie évidemment de ne pas oublier Joe Wilfried Tsonga qui, je vous le rappelle, va jouer son dernier Roland-Garros d'ici quelques semaines. L'un des très grands tennisman marquants de ces dernières années du côté de cette équipe de France. On a Rolinski également qui va rentrer sur le terrain à la place de Mendieta. On a Fiazzo qui va faire son entrée. Voilà, sortie d'Edmilson. On a la sortie de Carrière, de Sonny Anderson, de Sidney Govou, de Kim Karlström, entrée de Bon Pastor. Je vous laisse écouter l'entrée de Zach Nani et de Domingo. Et enfin, Domingo! Voilà, vous entendez, les fans sont là pour Domingo. Un maximum d'ambiance dans le chat, s'il vous plaît. On ne veut que ça. On est plus 100 000, on est plus 105 000, on est plus 110 000. On est même plus que 120 000, 122 000 personnes pour voir l'entrée de Domingo. 122 000 personnes pour voir l'entrée de Zach Nani. Ils nous ont régalé avec le casque, ils nous ont régalé micro en main. Dans ce commentary de cette rencontre, on espère qu'ils vont nous régaler également sur le terrain pour ces 10 dernières minutes. Zach Nani face à Bakary Sagna. J'aurais pas cru voir ça un jour dans ma vie. Mais Zach Nani va bel et bien jouer sur le côté gauche. PA pour le moment est dans l'axe. Hein. Vous le voyez aux côtés de l'ancienne joueuse de l'Olympique Lyonnais. A priori, ça sera milieu central. Je vois toujours Tony Parker hein, devant. Je vois toujours... Joe Wilfried Tsonga également dans le secteur offensif et Zach Nani. Ouais, on est plutôt dans ce rôle de numéro 10, j'ai envie de dire numéro 8. PA qui va être là pour faire le jeu. Et j'espère que PA, dès sa première touche de balle, va être hyperactif. Et il va falloir jouer par contre, il faut jouer parce que là il n'y a que les changements. Si l'arbitre ne laisse pas de temps additionnel, on va à peine les voir 5-10 minutes sur le terrain. Ça serait quand même dommage. Il va falloir reprendre ce match. Il va falloir reprendre hein, rapidement. Alors que là, on voit. Effectivement, c'est parce qu'il y a des changements qui vont intervenir. Inoxtag va revenir sur la pelouse. On a Paul Mirabel. On a Just Riyad, Nico Capone. On a Alize Lim, a priori, qui devrait également revenir sur la pelouse. Michou a fait son entrée. Cyril Gane est de retour. Énorme turnover
du côté de la team OL, de la team UNICEF. L'arbitre de la rencontre, on sent que voilà, là on est un peu désarçonné par les divers changements. On a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je crois qu'on est 12 sur le terrain. Je crois qu'on est 12 du côté. Je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On est 12. On est 12 du côté de la team UNICEF. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, et je crois que c'est du 12 contre 11. Si je dis pas de bêtises, vous allez m'aider à recompter dans le chat. Attention, avec Boussif, la fin de frappe de la part de Boussif qui rentre dans Anthony Parker pour Zach Nani. Zach Nani ! La frappe de Zach Nani, mon Dieu ! Mon Dieu ! Je ne sais pas s'il existe pire entrée que celle de Zach Nani qui a fait un petit peu de shadow. On l'a dit, il fallait bien s'échauffer. Zach Nani, Zach Nani encore une fois, qui écarte pour Boussif. Zach Nani, le contrôle du genou. Oh, il va nous gratifier de quelque chose de grand. Certes, il va y avoir que 8 minutes de jeu pour Zach Nani, mais on sent qu'il va nous gratifier de quelque chose de très très grand. Fianso face à Joe Wilfried Tsonga. Joe Wilfried Tsonga qui accélère, qui déborde, mais qui va voir Bakary Sagna le rattraper. Domingo, l'intervention rugueuse. On n'est pas sur une masterclass hein, pour le moment du côté de Zach et de Domingo. Il a pris un coup d'accel là par Bakary Sagna, PA. On a senti que ça allait un petit peu trop vite pour lui. Mais là, il est là. Voilà, il est en train d'organiser le jeu. Ça me plaît. Ça me plaît. Il dit à Sonia Bonpastor, écarte-toi, la capitaine. C'est Domingo qui est en train de parler à une légende du football féminin en France et même dans le monde. Et qui est en train de lui dire, vas-y, mets-toi sur le côté gauche. Poussif sur le côté. La solution, Domingo en retrait avec Tony Parker. C'est récupéré par Bakary Sagna avec Michou. Michou face à Thierry Assion. Tennisman aussi. Hein. Thierry Assion qui travaille avec Joel Pizzonga. La récupération de Domingo. La frappe de Domingo. Allez, contrer par Michou, les deux copains qui viennent se gêner ici. Mais attention, on sent que l'entrée de Zach Nani, l'entrée de Domingo font beaucoup de bien à cette équipe de légende de l'Olympique Lyonnais. Pourquoi pas eux aussi vont-ils entrer dans la légende. Nico Capone, la remise. C'est récupéré directement par Michael Essien avec Abili qui écarte une touche de balle vers John Rachid. John Rachid qui déborde sur le côté droit, qui ne s'arrête plus. Boussif qui lui demande le ballon, mais on donne le ballon à Tony Parker. Position d'orge signalée par l'arbitre de touche. Il va peut-être falloir laisser jouer un petit peu plus du côté de l'arbitrage de la rencontre. C'est bon, c'est la 84e minute. On s'en fout des hors-jeux. On est là pour avoir du spectacle, pour avoir des buts et surtout pour voir Domingo nous planter une grosse patate pleine lucarne. C'est tout ce qu'on veut. Ah, PA qui se replace. Hein. Je ne sais pas si on le voit sur le terrain, si vous le voyez un petit peu en bas de votre écran. Là, il vient juste de disparaître. Mais il est en position de milieu défensif avec son joli numéro 24. Michael Essien, PA, il va falloir remonter un petit peu là sur le terrain. PA pour venir faire une connexion. Alors là, si on était sur fut, on aurait un lien vert entre PA et Zach Nani sur cette aile gauche. Alors que c'est là, c'est Joe Wilfried Tsonga. Tsonga qui va donner le ballon en retrait peut-être avec c'est Bonpastor me semble-t-il qui vient demander le ballon. Non, c'est Abili qui donne le ballon à Boussif qui essaye de donner le ballon à Tony Parker. Tony Parker qui écarte sur Domingo. Domingo, la frappe de Domingo complètement dévissé. Il fallait qu'il égalise avec Zach Nani et le T-Rex qui n'a pas à couper ses griffes visiblement avant de venir tirer. Alors là, pour sa gouverne, il joue avec des crampons neufs. Je pense que c'est parce que il glisse encore un peu. La récupération de Bonpastor, la frappe de Bonpastor qui voit le ballon s'écraser sur la barre transversale du Jens Lehmann qui pouvait rien faire. Et à présent, c'est Boussif face à Carvalho. Boussif, la frappe de Boussif, allez contrer le ballon qui va revenir dans les pieds de Samir Nasri, mais forcément excusez-moi, avec sa classe. Ouais, Nico Capone, c'est bien joué ça pour Ludo Juli sur le côté. L'appel du côté de Michou qui laisse passer le ballon pour Edouane Bougueraba, mais c'est récupéré par Michael Essia qui vient de mettre Michou, qui vient de mettre Edouane Bougueraba et Nico Capone complètement dans le zag alors que lui est passé dans le zug. Le tacle très rugueux de la part de Bakary Sagna. Et là, c'est Sonia Bonpastor qui va donner le ballon à Domingo. Allez, Domingo, gratifie-nous d'un geste technique. La belle passe pour donner le ballon à Joe Wilfried Tsonga. Il faut proposer quelque chose avec Zach Nani. Zach Nani directement qui essaye de trouver Boussif dans les airs. Et forcément, dans les airs, quand il y a un monsieur qui s'appelle Daniel Van Buyten, c'est très compliqué de venir gagner un duel. Nico Capone, la récupération de ce Domingo qui décidément ratisse un nombre incalculable de ballons depuis le début avec Joe Wilfried Tsonga, le contrôle orienté du genou. Joe Tsonga dans la surface de réparation qui va donner le ballon à Bonpastor en retrait. Non, finalement c'est pour Boussif, le contrôle, la frappe de Boussif qui va passer largement au-dessus du but, alors qu'on voit sur les écrans géants un certain Jean-Michel Aulas dans le stade. Voilà, une légende également de ce club puisqu'on est dans le match des légendes. Forcément on va parler de Jean-Michel Aulas. Et c'est un supporter marseillais qui vous le dit. Samir Nasri pour Bakary Sagna. Bakary Sagna qui
donne le ballon à présent à Ludovic Joly qui va très vite. Ludovic Joly face à Thierry Assion. Ludovic Joly, excellent retour de la part d'Assion. Assion qui voilà, un ancien tennisman professionnel qui a été classé au meilleur de sa carrière, 81e mondial, qui travaille comme je vous l'ai dit maintenant avec Joe Wilfried Tsonga, mais il joue encore pour ceux qui aiment le tennis. Il est moins 4-6 à l'heure actuelle, donc c'est quand même un niveau loin d'être dégueu. Et il a joué en tournoi par équipe ce week-end, me semble-t-il. Un match où il a perdu. Non, c'est Marc Gicquel qui a perdu, je dis des bêtises. Mais c'est Marc Gicquel qui est encore à moins 4-6, pardon. J'ai tout emmêlé. Mais en tout cas, Thierry Assion a bel et bien été 81e mondial, hein, pour avoir vérifié cet après-midi sur Internet. Messieurs, je tiens à vous saluer fortement, puisqu'après un peu plus de 2h, hein, 2h30 de stream, on est quasiment 130 000 spectateurs. Vous pouvez vous applaudir dans le chat, vous pouvez vous congratuler. Et attention, Aboussif qui va écarter sur Zach Nani. Zach Nani face à Just Riad. Zach Nani, il faut le contrôler, Zach, le ballon. Il faut le contrôler, celui-là. Il fallait se battre un petit peu plus. C'est Just Riad qui va remettre ce ballon en jeu. L'appel ici dans l'axe de la part de Sane Garnier. Garnier qui va écarter pour Samir Nasri, une connexion très technique entre les deux joueurs de l'UNICEF. Samir Nasri qui va porter le ballon, le bon pressing de la part d'Abili, mais Samir Nasri encore avec le ballon qui va écarter avec Riad sur le côté pour Bakary Sagna, le centre fort devant le but, attention, ce ballon, la frappe du pied gauche de Samir Nasri qui dévisse complètement, l'équilibre n'était pas suffisamment bon pour venir trouver le cadre, et l'Olympique Lyonnais qui mène toujours un but à zéro. À 88 minutes et 30 secondes de jeu, il va rester une petite minute 30. On espère avoir du rab, on espère avoir un petit peu plus de plaisir dans cette rencontre et que les arbitres vont nous donner quelques minutes de temps additionnel pour qu'on puisse encore profiter des courses chaloupées de la part de Zach Nani et évidemment de PA qui est véritablement le remplaçant de Mahamadou Diarra. On a Mickaël Essien sur le terrain, mais PA c'est un petit peu notre Mahamadou Diarra tellement il récupère des ballons depuis son entrée. Mehdi Benatia qui écarte pour Just Riad. Riad qui va trouver une Oxtag. Non, finalement, c'est pour Michou dans l'axe. Michou qui va voir. C'est Flo Malouda, me semble-t-il, qui est encore sur le terrain, qui va relancer sur le côté vers Bon Pastor, le contrôle orienté. Finalement, c'est très bien joué avec Abili. La connexion entre les deux joueuses de l'Olympique Lyonnais, on voit qu'elles s'engueulent un petit peu. Elles se connaissent évidemment très très bien. J'écoute s'il y a du temps additionnel. Non, visiblement, pas de temps additionnel pour le moment. C'est récupéré ce ballon par. Le milieu de terrain olympique lyonnais, PA qui va venir nous régaler. PA qui donne le ballon à Zach Nani pour Joe Wilfried Tsonga. Zach Nani, non Zach, t'as pas le droit de rater ça. Zach qui avait l'action du match, qui avait l'opportunité de venir doubler la mise. Aïe, ça va être dur, ça va être très dur d'aller faire des photos avec les fans après le match. Non Zach, tu n'as pas le droit. Oh, cette séquence, autant vous dire que je vais la garder. Je sais pas s'il y a des copains de hors-jeu là sur le chat, mais je vais la garder. Elle sera diffusée, rediffusée dans le jingle d'hors-jeu, je peux vous le dire. Et je peux vous le promettre. PA, Domingo qui dégage le ballon, il fallait éteindre l'incendie. Qui donne le ballon à Brian Bergugnou qui essaye de mettre un petit point à Inox Tag. Mais non, on ne met pas des petits points à Inox Tag comme ça. Il y a du football quand même. Le garçon, c'est la fin de la rencontre. On s'est régalé. Vous êtes 130 000. Je tiens à vous féliciter. Vous avez été très 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 nombreux tout au long de ce live. Et je tiens à vous féliciter pour ça. Vous avez été très 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 généreux. La cagnotte, 28 107 euros à la fin de la rencontre. C'est absolument énormissime. Félicitations à vous. Vous avez permis à Zach et à Domingo de pouvoir jouer ce soir dans cette équipe de la Team World Legends. C'est sincèrement un rêve. On sait qu'ils ont eu l'opportunité dans leurs diverses carrières de faire de grands événements où ils ont pu forcément kiffer. Mais là, j'ai envie de vous dire, c'est un kiff, c'est un rêve de gosse. Hein. Zach Nani, supporter de l'Olympique Lyonnais, Domingo, supporter de l'Olympique Lyonnais. Ils ont pu jouer ce soir sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, mais pas dans n'importe quel match. C'est le match des légendes, le match des 20 ans du titre de 2002 de l'Olympique Lyonnais. Zach Nani, j'aimerais si on peut filmer après Zach. Il est sur le terrain, il va applaudir les supporters, Zach Nani. Voilà, bravo à lui. Il n'a pas été incroyable, on va pas se mentir, l'ami Zach, mais il s'est battu. Il s'est battu et mine de rien, il a eu des occasions. Et pour avoir des occasions, comme j'ai tendance à le dire, il faut avoir la qualité pour se les procurer. Il faut être placé au bon endroit, au bon moment, pour arriver à faire les différences. Certes, il a mangé ses occasions, mais il a été exceptionnel. L'ami Zach Nani, il y a PA qui est là, il est en train de revenir.
Il est en train de revenir, l'ami PA. Il revient vers nous. Il va pas tarder à reprendre le micro, évidemment. Mais avant ça, il va aller voir un petit peu les fans qui sont sur le terrain. L'ami Zach. Et là, Zach Nani. Le héros qui a été forcément marquant dans son entrée en jeu. Zach, je te laisse mettre le casque. Bon Zach, il n'y a pas eu que du bon, mais tu nous as régalé, tu t'es procuré des occasions. Et ça, je le dis tout le temps, pour se procurer des occasions, il faut être placé au bon endroit au bon moment. J'ai essayé à chaque fois de bien me placer, avec bien sûr la limite évidente de mon cardio calamiteux. Mais franchement, c'est dommage, j'avais une occasion, Joe Wilfried Tsonga me met un caviar et j'étais à deux doigts de marquer. Je pense que je la mets pas super bien, c'est sûr. Ouais, c'est dommage. Mais il y a un gros retour défensif aussi, tu vois, le mec il revient et tout. Est-ce qu'il n'y avait pas un peu de pression aussi de marquer un but sous le maillot olympique, le Nézac? Ça va tellement vite que t'as pas la pression. Ouais, ouais. En plus, surtout, tu vois, j'étais en fin de course et tout. T'arrives, t'essayes de la mettre du mieux que tu peux et malheureusement, ça rentre pas. Mais franchement, aucun regret, c'était vraiment une expérience de baiser. Genre là, vraiment, les gars, je suis extrêmement heureux. C'était trop bien. Ah, vous voyez la communion juste derrière, hein, les joueurs qui se congratulent entre eux. Voilà Zach, vraiment, la notion de plaisir ce soir, c'est un petit peu le mot-clé. Le match nous a régalé, le cadre nous a régalé, tu t'es régalé, PA nous a régalé. Gros. C'était la folie. C'était incroyable. Ah, j'aurais tellement aimé mettre ce but. Hey, ah, deuxième but là. La reprise de volée quand t'es rentré. Reprise de volée pied gauche. C'était calamiteux. On a essayé. C'était calamiteux, mais t'as essayé de la prendre en première attention. Si, c'est pas de la reprendre, c'était un petit peu difficile, tu vois. Non, c'était très bien. Mais bon. C'était très bien. Après, je pense quand même que je me suis bien placé à des moments. J'ai, tu vois, ouais, c'était pas mal. Franchement, mine de rien, en quelques minutes, PA et toi, vous avez touché pas mal de ballons quand même. Ouais, d'ouf. On a eu des situations et tout. C'était vraiment la folie. En tout cas, moi, franchement, là, j'ai adoré. J'ai kiffé. J'ai passé un moment de baiser. J'aurais bien sûr voulu conclure ça par un but et voir ça aurait été très bien. Le virage exploser, mais dommage. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé également chez vous. Ça a été. Zach, regarde, intense, hein. Regarde le chiffre. Regarde 130 000 viewers. Donc, attends, j'ai raté une occasion devant 130 000 viewers. 130 000 viewers. Je veux un clip. Envoyez-moi un clip de ce truc. Il y a des clips. Et comme j'ai dit, je sais pas si ça va pas rentrer dans le jingle d'or en jeu même. Hein. je garantis rien, mais je vais en faire la demande. Je jure, je veux le. Est-ce que à la prod, ils peuvent le remontrer ou pas, ceux qui nous entendent? Je sais pas. Vous pouvez ou pas? Clément, il va peut-être me le dire. Remonter le raté de mon occasion, genre. C'est compliqué. C'est chaud. Non, c'est pas possible. Bon, bah c'est pas grave. C'est dommage. Mais t'inquiète. J'aurais adoré le voir, mais c'est pas très grave. Il y a la rediff. Tranquille, j'irai le revoir en légende. Tu crois que ça va faire des retweets, ça, sur Twitter? Oh, moi, j'ai aucun souci. Moi, c'était cool. Hein, franchement, je le prends pas mal. Ça va faire partie du jeu. PA qui m'a mis un gros ballon pour mon occasion. Eh, PA, t'as ratissé un nombre incalculable de ballons. Il y avait Mika Essien, t'étais Mahamadou Diarra. Mais mec, mais merci. T'étais là. 480 000 euros aussi. Oh là là. Regarde. Il y avait 130 000 viewers hein, quand mais non. Sur le terrain. La frappe 000. Que j'ai mis, j'ai le seum. Ouais, mais t'as essayé. Tu la voulais. Tu as tenu ta promesse, monsieur. Tu as tenu ta promesse. Merci en tout cas pour tous les dons aussi. En plus de tout ça, on donne 28 000. Ouais, c'est ça, 28 171. Exceptionnel. Non, par contre, j'ai fait une passe qui a cassé 4 lignes. Pour Joe Wilfried. Je sais pas ce qui s'est passé devant, les gars. Je demande une VAR. Tu veux que je te dise ce qui s'est passé? Il faut les encourager, les deux. J'ai essayé de bien terminer, j'ai pas mis le ballon assez bien et il y a un défenseur qui a fait c'est pas grave, frère. Ah, j'ai vu la passe, je me suis pris pour Guimarães. J'étais en mode ça y est, j'y suis. Je vois entre les lignes. Tu sais qu'en plus, en amont de la passe, j'ai fait que de me placer, regarder avec qui autour de moi. Si quelqu'un récupère. J'ai entendu ton appel, J'ai dit, PA, vite. Et là, bam, il envoie. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, forcément, on aurait aimé pouvoir jouer plus. J'ai l'impression qu'on a joué 2 minutes tellement c'est passé vite. C'était la folie, ça. Mais c'était tellement. C'était vraiment. Il parle pas de sa frappe. Non, la frappe, il y a eu un souci. Là, il y avait un faux rebond, un truc chelou, autant moi, je suis arrivé, j'ai dit que mais toi, il était terrible à frapper, mais tu as tenu le défi. Pourtant, Zach, il a vraiment les crampons à l'ancienne. Hein. Ceux-là, ils sont sympas. Ah bah, ceux-là, c'est Coupe du Monde 35. Regardez. 34, peut-être. Regardez, ceux-là. Ça, c'est les crampons des techniciens, ça. Oh là là, ouais, après. Non, mais écoutez, j'espère que vous avez kiffé de fou. Honnêtement, vous avez donné. Je ne vois pas combien en régie, on peut me dire ou pas. Mais vous étiez hyper nombreux, j'espère que ça vous a plu. Voilà, on aurait peut-être plus joué, mais c'était important aussi pour nous d'apporter quelque chose aussi à cet événement pour l'UNICEF, qu'on se fasse un kiff. Parce que nous, c'est la journée rêvée d'un gosse qui a été fan de ce club depuis le début. Tous les joueurs qui sont sur le terrain, on les avait en poster dans notre chambre. Et c'est juste incroyable, quoi. 28K, merci énormément, c'est 28 000 euros pour l'UNICEF, tout simplement. Ah. J'aurais aimé pouvoir célébrer, en fait, la célébration. Attendez, Regardez PA, regardez ce qu'il va faire PA. S'il vous plaît, une caméra pour PA. Vous allez le voir, regardez la célébration qu'on avait concoctée avec PA. Il va falloir se décaler. Voilà la célébration de PA. Regardez, il va prendre le drapeau de l'Olympique Lyonnais, le poteau de corner, et il va l'agiter. PA qui est en train d'agiter le pavillon de Noël. Voilà.
C'est ça qu'on va voir. Flex avec, envoie du flex, pousse-toi avec comme ça. C'était ça, je voulais jouer avec pour drapeau. Moi bah, j'ai pas marqué. T'as pas marqué. Donc je le pose. Hop là. Un petit bout de terrain là, les stadiers me regardent mal. Oh regardez le fumis là-bas, c'est en train de craquer des grands fumis. Aïe aïe aïe. On est dans les ambiances des grands soirs. Ah non mais c'était incroyable, je sais pas quoi vous dire de plus. Encore une fois, merci d'avoir été aussi nombreux. Merci bah. Merci énormément. Aussi aux partenaires qui ont pu organiser ce match, à tous les gens qui sont venus sur place, à vous tous qui avaient donné de l'argent pour justement bah voilà, monter quasiment 500 000 de cagnotte de leur côté. Nous on a rajouté quasiment 30 000 aussi. Merci Quentin d'être venu aussi. Bah, avec grand plaisir, merci à toi Pierre, on s'est régalé, je me suis régalé. Bah écoute, ça me fait plaisir, je vais aller voir, il y a ma soeur et mon père qui sont venus pour me voir jouer. Donc écoutez, sur ces belles images, nous on va vous on va rendre l'antenne. Zach est parti, on va essayer d'aller faire des photos aussi pour profiter au max. Encore merci la MIF. Demain soir, on se fait un gros débrief parce que j'étais en Islande aussi juste avant, je suis rentré hier. Donc ça a été un peu intense, on se débriefera le match demain vers 20h, plus aussi le voyage en Islande. Il y a la coupe, ils célèbrent leurs 20 ans. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite. C'était Domingo et toute la team. Ciao la MIF, merci ciao, encore, ciao. Je vous aime. Bye bye. Salut. Out of reading, yeah. Out of reading, yeah. Out.